Salutations personnes de tout genre et bienvenue dans ce, j'allais dire nouvel épisode, mais pas du tout, dans cet épisode un petit peu spécial. Nous allons faire un caout où le but est de trouver les résumés foireux, de trouver de quel jeu je parle. Et puis voilà, en fait vous allez voir, le principe est très très simple, vous avez une image, un texte, et il faut trouver de quel jeu il s'agit en répondant directement de quel jeu il s'agit, tout simplement. C'est ça qui est assez merveilleux. Du coup, j'ai juste un petit truc à faire, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Déjà, ça va être de couper cette musique de mort. Alors, ça. Ah ouais, non, vas-y, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Hop, on va faire ça. Non, vas-y, chut. Merci. Et on va mettre la musique du jeu Death Door, qui est très bien aussi, mais qui n'est pas dans les jeux qui seront abordés ce soir. Je vais être nul aussi, mais bon. Mais vous serez beaucoup à être nul, rassurez-vous. Et bien joué pour toutes les montées de niveau, bien joué pour la montée de niveau Yamé qui devient un gardien d'Atoll, qui est un pecno boiteux, Dossier qui est un vagabond, Monsieur Tim Tim qui est un sage, Girafette une vagabonde, Tatane un vagabond, un pecno vaillant, Josh un pecno vaillant, Eraser what the fuck qui est un chevalier, Captain Ichiro chevalier, Cole Enjoyer un pecno vaillant. Félicitations à vous tous, merci beaucoup. Avalanche de level up, mais de ouf. Alors attention, nous allons commencer et il faut que je prenne de mon côté un petit truc. Désolé. Ouais, c'est un peu fait à l'arrache. Soit. Live anniversaire. Voilà, je me prends aussi les trucs de mon côté, sait-on jamais. En tout cas, on commence dans 3. Pas tout de suite. Résumé foireux. Dans 3. Dans 2. Dans 1. Et c'est parti en réponse libre, vous avez 1 minute 30 à chaque fois. Résumé numéro 1. Une personne du futur tente de résoudre des énigmes tout en étant harcelée par des philosophes en herbe qui veulent débattre. Mais de quel jeu s'agit-il ? J'aime ce résumé. Celui-ci, ça va. Il y en a d'autres, ils sont... Celui-ci, ça va. J'ai oublié le nom. Dommage. Après, c'est pour ça que j'ai laissé 1 minute 30. Si vous avez une idée du jeu, n'hésitez pas à aller chercher le nom sur Internet, histoire de pouvoir le taper. Il n'y a pas de problème, quoi. Heureusement que je joue pas. Mais tu peux tester, j'ai fait. Tu peux inventer des jeux. Quoi ? Ah bah non ! Bah... En fait, vous avez le droit de chercher pour avoir l'orthographe. Dans tous les cas, les résumés, normalement, ne vous aident pas à trouver le jeu en question. Mais vous avez une idée, vous savez plus comment ça s'écrit. Moi, franchement, allez-y, regardez. On n'est pas à ça près, tu vois, c'est pas grave. Je connais rien. Bah, bravo. Coupé à Pagnan. T'allais crampter, oh mon Dieu. Là, vous êtes 31. Merci. Merci à tous. Si c'est ça le résumé, je rigole d'avance des autres. Il y en a qui sont mieux. Ah ouais, celui-là. La réponse était Talos Principle. Et 3 personnes ont trouvé. Félicitations. Félicitations à vous. Alors, on va voir les autres réponses qu'il y avait. Nous avions 5. Ah ouais, celui-là. Ça va pas. Professeur Layton, of course. Professeur Layton, c'est vrai que ça pouvait correspondre, mais j'ai jamais fait Professeur Layton en stream, tout simplement. Par contre, on voit l'image, c'est plus facile. L'image est faite pour aider. L'image est faite pour aider, on va pas se mentir. The Order, je sais pas, Cours ou Madison. Et du coup, je vous affiche l'image maintenant. Je vais vous afficher l'image. Comment je peux faire ça ? Je crois que c'est ici. Voilà. Je vais aller chercher ça. Non, pas celle-ci. Ça. Permettez, hein, ce sera un peu mieux tout à l'heure. En gros, la réponse était bel et bien... Talos Principle. Et c'était ça l'image qui était derrière. Il y avait une image, oui. À chaque fois, derrière le texte, vous avez une image qui a été légèrement floutée et c'est une image du jeu, tout le temps. Mais qui a dit Madison? What the fuck?
Et oui, l'image derrière le résumé correspond au jeu dont je parle. Ah ! Et oui, c'est un indice. Donc attention, nous allons passer à la question suivante. Mais déjà, qui avait trouvé ? Josh, Yamé et Mikoz. Félicitations à vous trois. D'ailleurs, Mikoz, n'hésite pas à dire qui tu es. Et dans 3, dans 2, dans 1, nous passons à la suite. Un indice exactement. Résumé numéro 2. C'est l'histoire d'un gamin qui a visiblement du mal à se réveiller en vue de sa tenue et qui doit s'improviser technicien du bâtiment pour réparer un ascenseur. Mikoz Potatoes. C'est particulier, mais why not? Alors celui-ci, normalement, vous êtes nombreux à l'avoir. Normalement. Bah j'ai pas. J'ai un gros doute. J'ai mis au pif. Aïe 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 aïe. Là je suis sûr, il y a Clem, elle est en train de s'énerver devant son ordi en mode genre « Je l'ai, c'est trop simple !» J'ai pas compris le résumé, mais j'ai reconnu l'image. Écoute, c'est déjà ça. Un gamin en ascenseur qui... Enfin, un gamin en pyjama qui répare des ascenseurs, vous avez pas ? Eh bien, c'était le jeu Promenade, et effectivement, qu'on a fait il y a pas longtemps, en plus. Bouah ! Je suis trop fort ! Vous êtes que deux à avoir trouvé. Eh oui, du coup, c'était le jeu Promenade. Et vous aviez quoi d'autre comme réponse ? Court, Snufkin, c'est vrai qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps. Hein ? Mais qui connaît ? Bob le bricoleur, Zelda, Another Code, Leica. Leica, apparemment, tu répares des ascenseurs sur ton temps libre. BTP, joli. Et Baldur's Gate 3. Yamé ! Arrêtez Baldur's Gate ! C'est même pas moi, c'est un autre fan. Putain, vous êtes nombreux. Et bonsoir Tinkor, comment vas-tu? N'hésite pas à rejoindre, on est sur Kahoot. Tu tapes le petit code que tu vois en bas de ton écran et tu peux rejoindre. Nous sommes sur des résumés foireux, le but étant de trouver de quel jeu je parle avec des résumés foireux. Qui a trouvé que ce résumé foireux? Attendez, il y avait le fait que le personnage était en pyjama et qu'il réparait des ascenseurs. Il suffit d'avoir regardé le jeu pour savoir. Mais j'ai regardé, c'est dégueulasse! Eh bah, t'es nul! J'avais prévu de mettre promenade à chaque fois. Ah, bah voilà, c'est la fin. Je viens 3 fois par an, alors bon, c'est vrai. Avec le pyjama, je pensais à ce jeu. Mais j'ai pas souvenir d'un ascenseur dans ta critique et le droit de réponse. Ah, on en parle un petit peu de l'ascenseur, mais c'est vrai que c'est pas le point central, ouais. C'est quoi cette histoire de dents? Ah! Mais c'est parce que, tu sais, à chaque fois, on dit « j'ai tel âge, j'ai toutes mes dents ». Sauf que, du coup, comment m'artirer mes dents de sagesse? Techniquement, non, je les ai pas toutes. Et bonsoir, Titi, n'hésite pas à nous rejoindre. J'avoue que l'ascenseur m'a fait douter. Ok, bah désolé. J'étais même là quand il y avait l'interview du directeur artistique. Bah c'est pour ça que ça m'étonne que tu l'aies pas eu. Parce que ça rime. Oui, c'est juste parce que ça rime, en plus. Aïe, aïe, aïe. C'est écrit résumé foireux. C'est vrai qu'il y a écrit résumé foireux, c'est dans le titre. Pour le coup... Et bonsoir et bon anniversaire, merci beaucoup Koala Moustachu. Merci à toi. D'ailleurs, si vous avez un cinéma près de chez vous, n'hésitez pas à aller voir... Putain, j'ai plus le titre du film. Dis-moi le titre du film, Koala Moustachu. Mais Koala Moustachu a bossé sur les effets spéciaux d'un film qui est actuellement au cinéma. En voilà un qui optimise Prime. Bien joué. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Heureux gagnant, tout à fait. Le film Heureux gagnant, un film français. Et Koala Moustachu a bossé dessus, n'hésitez pas à aller voir son travail. Optimize Prime, eh t'as vu, elle est bien, hein. Merci beaucoup, merci Koala Moustachu, c'est beaucoup trop gentil. Mais pas de soucis Titi, c'est très gentil.
Et courage avec les enfants. Sois forte. Et nous passons donc au troisième résumé dans 3. Dans 2, et déjà, félicitations Yamé, imagine. Dans 3, dans 2, dans 1. Résumé numéro 3. L'histoire d'une personne souffrant de troubles au comportement alimentaire qui se retrouve à sexualiser son frigo. Mais de quel jeu s'agit-il ? J'aurais préféré que ce soit Dune sur lequel je bosse, mais bon. Ah, tu bosseras peut-être sur Dune 3, sait-on jamais ? J'ai mis un truc, il y a un peu de ça quelque part. Ah, ça me parle, mais j'ai zéro idée du titre. T'as peut-être moyen de trouver sur internet vite fait. Nom du jeu, Girafette's Night. Tu sexualises ton frigo, Girafette. Pas de jugement, hein. Un petit peu, mais pas de jugement. Mais un petit peu. Non, j'ai fait une faute de frappe, le con. Alors j'essaierai de te le valider, mais je sais pas si ça marchera quand même. Mais c'est quoi ce résumé? Ben, c'est un résumé qui marche. Jure, tu l'as. En vrai, il est facile à trouver, hein. J'ai mis un jeu du futur. Pas compris. D'ailleurs, Clem, n'hésite pas à m'envoyer tes réponses par Instagram, hein, si tu veux. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, Garvuk. Non, mais je... Désolé pour Monsieur Girafe, quoi. Alors, j'ai pas. Et le jeu n'était autre que Atomic Hearts, tout à fait. Vous êtes deux à avoir trouvé. Frigo sexuel, c'est pas dans tous les jeux quand même. Attends! J'ai mis Atomic Heart! Eh ben bien joué! Oui, celui-ci, ça fait un peu longtemps. Et du coup, voir les autres réponses. Similaire au correct, Atomic Heart. Bah oui, bah ça marche. Isaac, alors non, Isaac non. South Park non. Je vais avoir zéro, effectivement. Isaac, Life is Strange 12, Frigophile et Isaac. Je sais pas ce que vous aviez avec Isaac, mais non. Quoi? Mais je connais en plus. Mais enfin, Athéna! Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est la pression, Athéna. T'inquiète pas, ça va venir. Bah, digestion, caca, tout ça. Et coucou, Watchraton. N'hésite pas à rejoindre si tu veux jouer avec nous. Le but est de trouver de quel jeu on parle avec des résumés foireux. Pour moi, sauf l'histoire de frigo, c'était Isaac tous les jours. Aïe, 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 aïe. Le frigo de la ciné d'Isaac. Oui, le fameux frigo de la cinématique d'Isaac. J'ai pas aimé le jeu. J'ai pas trop aimé le jeu non plus. Il était pas incroyable. Ah, et merci pour ta dick dossier. L'OST est très cool, ouais. L'OST de Atomic Heart était très cool pour le coup. Alors attention, nous allons passer au jeu suivant. Mais déjà, bien joué à ceux qui ont gagné des points. Attention, réponse libre. Résumé numéro 4. Un couturier se perd dans différents biomes délabrés tout en combattant moult ennemis dangereux tels que des insectes ou des rêves. Ease, je l'ai 100% à celui-ci si vous l'avez pas. Celui-ci si vous l'avez pas. Le beau frigo spacieux. Tellement facile. Mais oui. Mais oui, Athéna, l'histoire était un peu bof bof, quoi. Même moi, je l'ai, c'est dire. Eh ben, félicitations. Ori, cours. Effectivement. Franchement, c'est évident que c'est Adibou. Putain, j'aurais tellement dû le mettre, Adibou. Normalement, j'ai. Ma passion céleste. Je vois le jeu, mais j'ai pas le nom. Encore une fois, j'ai laissé du temps. N'hésitez pas à chercher le nom sur internet. Si vous avez le jeu, mais que vous vous rappelez plus du nom, vous avez le temps.
J'ai pas trouvé. Oh non, Yamé. Yamé. La réponse n'était autre que... Hollow Knight, bien évidemment. L'aiguille, le couturier, tout ça, tout ça. Mais purée, oui! Et du coup, voir les autres réponses, nous avions Ori, Céleste, Peach et... Je sais pas! Je l'avais! Pour une fois que j'ai fait un des jeux. Ah, oh, tu l'as fait? Je savais même pas que tu l'avais fait, celui-ci. Le jeu de Celdel! Mais le jeu de tout le monde. Tout le monde est très très fan de ce jeu. Sauf certaines personnes. Voilà, mais sinon, à peu près tout le monde est fan de ce jeu. Voilà. Du coup, attention, préparez-vous. Je sais pas si Watchraton, tu as eu le temps de rejoindre ou pas. N'hésite pas à me dire. Parfait. Et merci beaucoup, Majin. Majin qui est on fire, justement. Et attention, le jeu de Laika. Pour moi aussi, c'est devenu le jeu de Laika maintenant. Vu qu'elle a un carnet et tout. Réponse libre, résumé numéro 5. Encore une histoire d'adolescent qui jette du fluide blanc et gluant sur les gens en pensant faire le bien. Je répète, encore une histoire d'adolescent qui jette du fluide blanc et gluant sur les gens en pensant faire le bien. Oh, ça va, lui, on a eu le best-of dessus. Bah, il y a beaucoup des jeux où il y a du best-of dessus. Hein. Même Ori, il apparaissait dans un petit best-of. L'image aide beaucoup, heureusement. Oh, mais même la description, en vrai. La description horrible, arrête. Elle fonctionne. Je suis désolé, cette définition fonctionne. Pour moi, c'est plus devine le jeu derrière l'image. Oh. Ah, avant le live, vous avez eu. C'est possible aussi. Ado à fond en furie. Tu faisais une blague sur l'ado et son fluide. Ah ouais? Bah comme quoi. Et oui, c'est effectivement le jeu Spider-Man, Marvel Spider-Man. Peu importe comment vous l'avez écrit. J'ai mis plusieurs trucs, histoire d'être sûr que vous ne vous trompiez pas. La description 5 étoiles. Merci beaucoup. Ah, les comics. Il y a toujours de belles choses dans les comics, Josh, pour le coup. J'ai rajouté Miles Morales. Ah, bah attends, je vais te l'accepter, parce que techniquement, ça peut marcher aussi. Nous avions Marcel Spider-Man. Et Spider-Man 2. Spider-Man lequel? Allez, je vous accepte toutes les réponses, en vrai. Spider-Man a une femme! Et oui, dans certains trucs, il l'a. L'honneur est sauf, j'aurais pas eu zéro. Bravo! Félicitations. Bah dans To The Spider-Verse, il a une femme aussi. Ça a pas mis ma réponse. Oh my god, t'as dû la mettre trop tard. Ah si, bah voilà. Tu vois, tu râles. Tu râles pour rien. Spider-Gwen. Alors attention. Nous allons passer... je sais même plus si je voulais montrer la photo. Du coup, la photo, c'était ça. Spider-Man! Pam, pam, pam! Et du coup, attention. Résumé suivant. Dans 3, dans 2, dans 1. Maintenant. Résumé numéro 6. Dans ce jeu, vous devez sortir votre fille d'un cirque pour qu'elle retourne à l'école. Je vous aide un peu, on l'a fait il n'y a pas longtemps celui-là. Ease. J'ai... Et d'ailleurs, j'en profite, pendant que vous écrivez et que vous réfléchissez,
J'hésitais à détourner mes résumés foireux pour en faire des TikTok aussi. Je sais pas si vous pensez que c'est un concept qui pourrait être intéressant. Oui! Ok. J'ai un oui de Watch Raton. Et Watch Raton est quelqu'un de vaillant et beau. J'ai pas TikTok, je connais pas la méta. C'est vrai aussi. C'est vrai que t'es un peu un boomer, quoi. Hop là. Mais je connais Kwakubé et sa danse. Il y a une danse Kwakubé ? Putain. Je sais qu'il y a un clip. Et la réponse était effectivement le jeu Réveil. Ah, j'ai bien fait de le mettre aussi sans accent. Et en réponse, nous avions Princess Peach, je sais pas, Circus, joue à Baldur's Gate 3, non. The Clowns 78 et Princess Peach Show, non. Le jeu n'a pas d'accent. Alors en fait, ça dépend. Il y a des fois, il en a, des fois, non. Du coup, j'ai préféré mettre les deux. Puis je me disais, par réflexe, tu peux le mettre. Et non, ce n'est pas Peach, il n'y a pas d'histoire de sortir sa fille du cirque dans Peach. J'ai fermé la page sans faire exprès, mais il n'y a pas de souci, tu peux relancer. Pot de bol. Cette réponse en genre... Dommage pour ta gueule. Ah mince, attendez, j'ai oublié de vous changer l'image. Hop. Tada. Et voici. Attention. Nous passons à la question suivante. Bah, dans tous les cas, t'aurais eu juste, Majin. Et tu restes premier. En forme. Oh non, le K-Word. C'est quoi le K-Word? Je suis cinquième. Oh oui, avec ta petite écharpe et tout. C'est beau. Ce réveil avait l'air sombre. Très. Attention, question suivante dans 3, 2, 1... Résumé numéro 7. Faites-vous balader de droite à gauche dans des couloirs remplis de monstres dans le but de détruire un plug géant alien. Le résumé fonctionne. Et l'image devrait vous aider. Je connais pas. Oh, j'ai failli avoir un blanc. Un plug géant alien. Tu regardes trop d'animes. En vrai, quand tu regardes la forme du truc... Ça me fait penser au premier South Park, mais l'image... Ah oui, non, effectivement. J'ai bug 15 secondes pour retrouver le nom. Ah, c'est pour ça que vous avez du temps. Un jeu auquel j'ai joué, c'est rare. Oh, t'y as joué, dossier? Est-ce que c'est justement pour le plug que t'y as joué? Et c'est effectivement Dead Space 1, 2 ou 3, peu importe. Voir les réponses. Ah, Dead Space collé, vas-y, ça marche. Alien, du coup, non. Callisto Protocol, non. The Last of Us, non plus. Alien Isolation, non. Metroid Dread, non. Mass Effect, non plus. 1 ! Ah, ouf. Si, t'inquiète, c'est juste que normalement, c'est pas collé. Donc non, pas un jeu auquel j'ai joué. Ah. Désolé, dossier. Tu avais mis quoi? Fur. Je sais que tu vas le dire, donc je le dis avant toi. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, l'image, c'était celle-ci. Je mélange trop entre Callisto et Dead Space. Ah, oui. C'est pour ça que j'ai rajouté l'histoire du plug Alien, parce que du coup, il n'y a pas ça dans Callisto. J'avais mis Metroid Dread. Ah. Et non. Attention, réponse libre, résumé numéro 8. Vivez au rythme de la musique en fusionnant avec votre iPod. L'image devrait vous aider si vous connaissez le jeu. Parce que même pixelisé, on reconnaît quand même plutôt bien.
Et bien joué. Cette fois, j'ai vraiment joué 100% de no fake. Ah. Et bien joué, Créazèbre qui passe chevalier de niveau 56. Enfin, chevalière, du coup. Dossier qui passe vagabond de niveau 39. Héloïse qui passe pecno de vaillante de niveau 15. GG. Tatane, pecno vaillant de niveau 16. Josh Castle, pecno vaillant de niveau 13. Leika, gardienne de niveau 86. Et Majin, gardien de niveau 84. GG. Faut se souvenir du nom. Encore une fois, n'hésitez pas à chercher si jamais. Ton promenade au début, il me fait chier. Pourquoi tu voulais mettre promenade ici? Ça aurait pas grand sens. Attention, nous approchons de la fin. Plus que 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et la réponse était Hi-Fi Rush. Et coucou Halloween. Rapide parce que je suis en famille. Et bah écoute, coucou rapide, on se tient au jus par message. Des gros bisous à toi, j'espère que tu vas bien. Et merci beaucoup, t'es adorable. Comment ça, faux? Alors qu'est-ce que vous avez répondu? Aifruch, allez, je l'accepte. Ozu, non. Musique, non. Avatar, le dernier, non. Hi-Fi Rush, ah, écrit bizarrement, mais oui. Pokémon, non. Cassette Beast, non plus. Soundfall, non plus. Passe une très bonne soirée, en tout cas, des bisous à toi. Et à bientôt. Et coucou Jojo, comment vas-tu? N'hésite pas à nous rejoindre, Jojo. J'ai mal écrit, what the fuck? Mais t'inquiète pas, je le valide quand même. Il est bon, Hi-Fi Rush. Il est sympa. Il est sympa, mais c'est pas un jeu extraordinaire non plus. Mais il est sympa, il est joli. Et il se fait assez facilement. Si t'as le Game Pass, en plus il est gratos. Donc voilà. J'ai mal écrit à quelques lettres près. Cassette Beast. Exactement. À quoi vous jouez? On joue au résumé foireux. J'ai fait des résumés foireux de jeux que j'ai fait sur la chaîne. Et vous devez trouver de quel jeu il s'agit. Ok. Envoyé. Ah, attendez, j'ai le petit chien qui aboie sur le voisin. Vous allez voir le petit chien. C'est l'instant Gandoif. Joyeux anniversaire, merci beaucoup. Live sponsor Arte, pourquoi sponsor Arte? Ah oui, à cause de mon dos? Oui, effectivement, ça peut, ouais. J'ai de la latence et je peux pas refresh. Non! Bah normalement, en 1 minute 30, ça devrait le faire, Athéna, mais c'est vrai que c'est chiant. Désolé pour toi. Voilà. J'attends un jeu avec impatience. Ah! Bah voilà, vous avez le coucou du plus beau. Ils ont dit que t'étais le plus beau. T'en penses quoi? T'en penses que t'es fatigué, hein? Allez, va sur le lit. D'ailleurs, pour faire plaisir à quelqu'un, Héloïse, voici le jeu du moment. Voilà. En ce moment, c'est le jeu du moment. Avarice en musique. C'est possible. Tu peux renvoyer le lien pour mon PC? Ah, attends. Hop. Ah, merci Majin, je suis allé. Avarice de Death Door. Ah, putain, on voit le connaisseur. Il a du goût ce chien, t'as vu ça? Et du coup, nous allons passer à la question suivante. Tu peux ping le message? Bah en fait, non. C'est ça qui est mal foutu, c'est que sur OBS, je peux pas. Et comme la connexion de Clem bug, bah elle peut pas non plus. Donc voilà. Et comme je n'ai qu'une modératrice, bah... Voilà, malheureusement. Dossier, t'es chiant à me voler ma place. Bou, bou, bou. Va falloir remonter, Laika. Hein. Ou alors, je tèche dossier. Tu me donnes combien pour que je tèche dossier, Laika? Hein? Imagine 7 bonnes réponses d'affilée. Putain, c'est beau. Et Mikos, effectivement, qui est très très forte. Ou très fort, je ne sais pas.
En tout cas, question suivante. Réponse libre. Résumé numéro 9. Constituer une équipe d'intermittents en colère pour combattre des créatures qui dansent. La corruption. Mais moi, je suis quelqu'un de très corrompu. Je reste un streamer avant tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, techniquement, il y en a plein d'entre vous. Vous étiez là quand j'y jouais. La réponse est même apparue tout à l'heure. Alors là, j'ai plus le nom. Oh, purée. Ah, je crois que j'ai le nom. Mais j'ai écrit autre chose. Bah bravo. Andouillette. Un horrible jeu de plateforme encore. Mais je vous merde. 30 ans et toutes ses dents. Eh oui. Sauf certaines. Et d'autres qui sont cassées. Mais autrement... Oupinaise. Attention, plus que 5 secondes. Et la réponse était Sandfall. Yes! Bien joué, Captain! Je l'avais sur la fin, eh oui. Nous avons Princess Peach, toujours pas Zelda, toujours pas Palworld, toujours pas Totally Spies, non. Bro Company, non plus. Crypt of the Necromancer, non, je l'ai jamais fait. Pikmin, non plus. Le Fleuriste en colère, non plus. Adore, non. Just Dance, non plus. Et Just Chamber, non plus. Non mais t'inquiète pas, Athéna, moi aussi, il y a plein de titres, je les retiendrai pas spécialement. Titre. Non, t'as dit les tirs, tu retiens pas les tirs. Attention, question suivante et petit hommage à Narakia, car si je ne me trompe pas, sur le stream d'un certain monsieur Tim Tim, c'est lui-même qui avait donné le résumé formulé à peu près pareil. Et j'ai pas trouvé mieux, donc j'ai mis à peu près la même chose. Donc hommage à toi, Narakia. Réponse libre, résumé numéro 10. Niquer les aliens avant qu'ils ne vous niquent et accessoirement tenter de sauver le monde. Mais quoi ? Alors, je répète pour Laika qui n'a pas entendu. Niquer les aliens avant qu'ils ne vous niquent et accessoirement tenter de sauver le monde. Ça peut vraiment être n'importe quel jeu avec des aliens. Ah non! Tu peux pas faire l'amour avec des aliens dans n'importe quel jeu. Exactement, Athéna. C'est effectivement le jeu... Avec des mods, peut-être! Surtout les bleus. Il est vrai que c'est surtout les bleus. On voit qu'il y en a un qui a trouvé tout de suite. En vrai, l'image est assez connue en plus. À la base, je cherchais une autre image et j'arrivais pas à trouver. Étonnamment, trouver une image en bonne qualité, c'est dur. J'avais pas compris niquer dans ce sens-là. Ça peut être dans les deux sens du terme. En tout cas, plus que 4 secondes. 3, 2, 1... Et c'est effectivement le jeu Mass Effect. Tu peux essayer avec les Krogan. C'est vrai que tu peux essayer avec les Krogan aussi, si tu veux. Nous avions Corrupted, les méchants Alien 3, Alien, Callisto Protocol et Cours. Et non. Aïe, j'ai choke. Oh non. Désolé, imagine. Ah papa, mais ça va, vous êtes quand même 6 à avoir trouvé.
Moi, j'étais plus à fond sur le sombre alien vert. Ah, mais il y en a beaucoup qui sont à fond dessus. Et Eraser, what the fuck, qui arrive dans le top 5. Félicitations à toi. Mais tu risques de te faire taper dessus. J'ai passé le stream sur tel. Pas de soucis, Athena. J'espère que ça marche mieux comme ça pour, de ton côté. Je suis à la Mass Effect. Oh! Majin, reviens! Le pauvre dossier qui est redescendu. Pauvre petit dossier. Et attention. Résumé numéro 11. Il y en a 50 des questions. Résumé numéro 11. Une façon poétique de rappeler aux daltoniens qu'un moment moins coloré est assez triste. Donc une façon poétique de rappeler aux daltoniens qu'un moment moins coloré, c'est quand même assez triste. Mon père serait ravi. First, alors là. Ah, il s'appelle comment ce jeu indé? Il est assez facile. Et Laïka qui trouve pas, alors que tu m'as fait tout un scandale. Rayman. Mais oui, c'est Rayman. Ah, Leika, si tu trouves pas, je te juge. Je te juge au point de te montrer du doigt et de faire... Eh bien, j'ai trouvé, alors. Ah, ça va, là. Allez, salut les noobs. Un biopic sur Ray Charles, ça doit être ça. C'est le prince d'Angleterre, hein, Ray Charles, on est d'accord. Ah ! Oh purée, j'aimerais pas être à ta place, Laïka. Ouais, quand je juge en pointant du doigt, c'est que vraiment... Et la réponse était gris, bien évidemment. Vous êtes 5 à avoir trouvé. Félicitations. Et parmi les réponses, nous avions Garvug, colore ma vie, blanc, Ori, céleste, couleur.exe, j'arrive pas à voir... Grey, allez vas-y, je l'accepte. Et Chose Chamber. Merde, je me suis trompé de couleur. Allez vas-y, je t'accorde le blanc aussi. J'ai failli l'acheter. Merci l'image. Merci, mais à ce niveau-là, on appelle ça se prendre une bifle. Merci beaucoup, dossier. Garde tes sous. Merci beaucoup. Blanc existe vraiment. Oui, mais c'est avec un petit... c'est avec des loups blancs, si je dis pas de bêtises, ou des renards. Blanc, ça passe. Pourquoi blanc, ça passe? White privilège. Non, parce que je peux comprendre que tu fasses, que tu te trompes, tu vois. Les deux jeux existants, tu te rappelles que c'est un jeu avec une couleur, blanc, gris. Moi, je l'accepte. C'est moi qui décide dans tous les cas. Donc, je vous flûte. Alors... Grave pas mérité. Oh. J'espère que ce trait n'est pas passé. On sait pas, hein. C'est Garvug qui décide dans tous les cas, Leika. Exactement. Écoute, dossier. Tu veux dire que toutes les couleurs se valent? Eh ouais. Moi, je suis pas un vieux raciste, moi. Il a pas accepté le téléfilm musical Star Wars Holiday Special. Eh, je... Merde. Voilà, je vous flûte. Le mec qui reste trop sur son truc. Alors, pour le prochain trigger warning, mais je vous jure que ça correspond au jeu. Je vous jure que ça correspond au jeu. Et Keisus Click, coucou à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Nous sommes sur les résumés foireux. J'ai fait des résumés foireux et vous devez trouver de quel jeu il s'agit. J'ai peur. Celui-ci, je vous avoue, j'ai été obligé d'aller voir Clem en off pour lui dire « Bon, je te spoil un truc, mais est-ce que tu crois que celui-ci, ça passe ?» Et elle m'a dit « En vrai, je sais pas. » Du coup, je l'ai mis quand même. Mais... Voilà.
Attention, un résumé numéro 12. Telle une star, vous êtes amené dans un lieu à l'abri des regards, perdu en mer, où vous aurez alors le choix de consommer des jeunes filles ou non. Je vous jure que ça correspond au jeu. The fuck? Easy. Ah, merci Geoffrey, on est d'accord. Ah oui, limite. Ouais, mais ça correspond au jeu. Il faut répondre quoi? Il faut répondre le nom du jeu auquel ça correspond. Je l'ai fait il y a pas longtemps en même temps. Ah, facile je crois. En vrai, si vous avez le nom du jeu, c'est facile. Oh putain, je l'ai. Ah, Captain là. Partage, égoïste. Plus que 15 secondes à partir de maintenant. Il faut manger sainement, joli. Et c'était bien évidemment le jeu BioShock. Rayman, exactement. Bravo à ceux qui ont trouvé. Pff, ça te dégoûte. Ah, what? Ah, mais oui. Eh oui. Bah, dans BioShock, vous avez le choix entre bouffer les gamines pour prendre leur force ou pas. Big Daddy, effectivement. C'est qui remonte? Eh bien, joué, Riser. C'est un classique pourtant et j'ai de choc. BioShock, pas accepté. Si, normalement, en plus. BioShock, je l'ai écrit comme ça. Mais tu pouvais l'écrire comme ça. YouTuber 2024, ça marchait aussi. Hungry Shark, Christophe Colomb, Maniteur, Cannibalisme sur mer ou Cours. Et non. BioShock. Elle est belle. Et nous passons donc au numéro 13. J'ai le droit à un point bonus, malheureusement je ne peux pas. Si tu l'avais mis en réponse, je te l'aurais accepté. J'ai fait deux bonnes blagues, oui. Attention, question suivante, résumé numéro 13. Vos choix auront des conséquences, toujours les mêmes, soit, mais formulées différemment, ce qui est déjà pas mal. Ceux qui savent, savent également que c'est avec ce jeu que j'ai lancé ma chaîne Twitch. Une chose est sûre, c'est pas Pokémon. Ah, Rayman, exactement. Car comme on le sait, c'est avec Rayman que j'ai lancé ma chaîne Twitch. Bon, là, moi, si je l'ai pas, je crois que je l'ai pour une fois. Oh, joli. J'ai hésité entre deux. C'est pas Baldur's Gate 3. Le résumé marche avec plein de jeux, effectivement. Mais l'image est censée vous aider. Et en plus, le « vos choix auront des conséquences », il me semble que c'est un peu eux qui ont lancé le truc. Et la réponse était Life is Strange, premier du nom. Je connais pas les jeux vidéo. Aïe, aïe, aïe. Oui, ouf, oui. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Non, c'est les jeux Telltale. Ah, ils avaient déjà mis vos choix auront des conséquences. C'était formulé comme ça aussi. Merci les clips en pause. Effectivement.
C'est un peu ma rêve des choix où il n'y a pas de choix. Voir les réponses, nous avions également Rayman, Nightingale, Stanley Parable, J'ai pas le choix, The Witcher ou Cour. Et non. Et du coup, hop! J'ai hésité entre Life is Strange et The Quarry. Ah, peut-être qu'il viendra plus tard. Attention, réponse libre avec ce résumé numéro 14. C'est fou, et c'est qui le fou qui a mis Rayman? Je sais pas. Regardez un inconnu devenir plus célèbre que vous en deux jours. Alors, qui fait rien de sa vie? Je connais des gens qui ont fait le jeu sur leur chaîne aussi. Cap, il triche, mais Capitaine, il triche tout le temps, dans tous les cas. Mais c'est l'âge, hein. On lui pardonne. Je dois passer en l'heure que je reviens après. Pas de soucis, Choumi, merci beaucoup d'être là de toute manière. C'est déjà très gentil de ta part. Oui, enfin là, j'ai fait le jeu. Oh, le... bah tu vois, tu triches. Tu vois que tu triches. T'as carrément fait le jeu pour avoir la réponse. Merci Google pour le nom. Oh. Petit emote qui pleure. Attention. Nous arrivons sur la fin du décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est effectivement American Arcadia. Et vous n'êtes que 3 à avoir trouvé la bonne réponse. Mais quoi? Bah quoi couper, hein, t'es nul. Mais j'y ai pensé, mais c'est quoi cette description? Un mec qui devient plus... Un mec qui devient plus célèbre que vous en deux jours, ça correspond, hein. Arcadia Escape, non. Celebrity Show, Squeezie Simulator, Influenceur 2024, TikTok Simulator, YouTuber Life, Garvug... ou Budget Cuts. Faudrait un Shazam des jeux, où tu mets un résumé et ça te trouve le jeu. J'ai du Google Indie Game 2023 Truman Show. Ah oui, bon, ça marche. En tout cas, on retiendra que Laika est nul. Mais c'est pas grave, on l'aime quand même. En tout cas, c'est parti pour le résumé suivant. Et Mikos qui passe devant, Captain. Bah tu vois, il est plus premier, Laika. C'est le karma, hein. Résumé numéro 15. L'histoire d'une sœur perdue sur un jeu de dés. Alors celui-ci, je sais pas si vous l'avez. Je sais que beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore sur ma chaîne quand j'avais fait le jeu. Ça commence à dater maintenant. Ça, c'est Rayman, exactement. Bravo, les... Bravo, Narakia. Je suis derrière Josh. Oh, le nul. Je connais, mais j'ai pas le nom. N'hésite pas à chercher vite fait sur Google, sait-on jamais. Félicitations à Koala Moustachu, qui est un vagabond de niveau 31. Choumi, villageois de niveau 43. Dossier, villageois de niveau 40. Tu deviens villageois, bravo. Athéna, gardienne de niveau 98. Josh, qui est un pecno vaillant de niveau 16. Majin, gardien de niveau 85. Eraser, what the fuck, chevalier de niveau 65. Captain Ichiro, chevalier de niveau 62. Et Titi. Oh, mais si je peux te donner un conseil, un seul, c'est fuis. Non, franchement, fuis. Unfollow maintenant, parce que l'autre, là... Et merci beaucoup! Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. J'ai vu un des jeux y jouer, mais j'ai perdu le titre. Ah, je savais même pas qui y avait joué, tu vois. Rang 3, et oui. Et du coup, je disais, et bien joué à Titi, qui est vagabond de niveau 38, et merci beaucoup pour le follow. C'est très gentil. C'est nul, gardien, mais non, c'est bien, gardien. Moi, j'ai joué qu'à LOL dans ma vie.
Et là, c'était le jeu Lost in Random, un jeu qui est très très sympa. Même si le gameplay devient vite un peu répétitif. On va pas se mentir. Nous avons le village des dés. Je sais pas. Dicey Dungeon, ça pourrait, mais non. Yomazari, jeu de descenseur. Court ou Snufkin, non plus. Le gameplay devient un peu chiant, ouais. Aïe, 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 Narakia qui est descendu dans le classement. C'est quoi la blague avec court à chaque réponse? C'est qu'au début, j'ai dit qu'il fallait mettre des réponses courtes. Donc, ne pas s'étirer sur le nom des jeux lorsqu'ils étaient trop longs. Et notamment, éviter, par exemple, pour Mass Effect, tu mets pas Mass Effect 3, tu mets juste Mass Effect, tu vois. Ori and the Blind Forest ou Ori and the, quelque chose and the Wisp, tu dis juste Ori, ce genre de choses. Putain, je suis une merde parce que j'avais ce jeu dans ma liste de Swiss Steam. Aïe, 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 aïe. Bah après, tu sais pas parce que tu l'avais dans ta liste Steam que tu connaissais l'histoire. Ah non, tu parlais du de ce classement-là. Bah oui, c'est tout simplement parce qu'elle est là tous les soirs. Hein. En tout cas, nous passons à la suivante. Réponse libre, résumé numéro 16. Un jeu qui nous fait croire qu'il sera facile d'hériter de la maison de mamie une fois qu'elle sera partie, même si on ne lui parle plus depuis à peu près 20 ans. Eh oui, Narakia. Désolé. Je le vois tous les jours sur le Game Pass. Sur le Game Pass. Ah! Bah, si t'as l'occasion, Washrato, il pourra peut-être te plaire. Alors celui-ci, on l'a fait il n'y a pas trop trop longtemps. Il a failli avoir un droit de réponse dessus, mais finalement non. Rémami, je tente. Allez, fonce. Je crois que j'ai un... Il y avait 23, 22. Et sinon, avez-vous passé un bon week-end? Le week-end n'est pas fini. Avez-vous passé un bon début de week-end? Il reste encore 487 heures. Putain, mais t'as des week-ends de malade! Ah, c'est vrai qu'il y a lundi qui est férié aussi. Et c'était effectivement le jeu d'Ordogne. Félicitations à ceux qui ont trouvé, vous êtes 5. Demain, c'est mon anniv. Ah, t'es né le 31, toi, du coup, Tatane. Et coucou, Marc, comment vas-tu? Joyeux anniversaire de la part de Marc, Marine et Sinaï. Merci beaucoup. En plus, la dernière fois, j'ai pensé à vous, on a croisé une chienne qui ressemblait à Sinaï. Et du coup, Gandalf, il était perdu. Il est parti la voir et il a fait genre, ah non, c'est pas elle. Et il s'est retourné en mode genre, du coup, je m'en fous. 487 heures, c'est un long week-end. En vrai, c'est un sacré week-end. Il est dans ma wishlist, celui-ci. Prends-le en solde. Mais sinon, ça va. Mais prends-le en solde. J'ai speedrun le montage du best-of mensuel en passant la journée dessus. Je viens de finir. Oh, bah j'ai hâte d'aller voir ça. Il sort du coup demain ou un truc du genre. Oh, mais oui, c'était trop mignon. Et comment ça va du coup tous les trois? J'y comptais bien. Bah, tu as bien raison. Dispo sur le Game Pass d'Ordogne. Ah, c'est pas impossible, ouais. Et joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Mionigiri. Putain, à chaque fois, j'arriverai pas à le dire. Hein, je suis désolé. Mionigiri. Mionigiri. Merci beaucoup. C'est très gentil. Sinon, à chaque fois qu'on passe en haut de la résidence, ça veut aller voir Gandalf. Non. Bah, faut que vous passiez par ici la prochaine fois que vous allez en Italie. Vous êtes obligés. J'ai vu Fred le faire. Ah, je sais même pas que Freddy, il l'avait fait. Et en tout cas, voyons les autres réponses. Nous avions Snufkin. C'est pas un jeu. Héritage, Carto
Orion, random jeu détente, désolé mamie, ou Palworld. J'ai fait Dordogne, il est super. Ouais, je trouve un peu court et je trouve que l'histoire est vraiment pas folle, pour le coup. Mais par contre, il est magnifique. Le jeu est super beau. Et du coup, pour ceux qui sont arrivés, nous sommes sur une soirée résumé foireux. Le principe, c'est que j'ai fait des résumés foireux de jeux que j'ai fait et vous devez trouver de quel jeu il s'agit. Voilà. À l'occasion, avec plaisir. Bah, plaisir partagé. Ce serait trop cool. Et du coup, nous allons passer au résumé numéro 17. C'est là que je me dis que 50, c'était beaucoup, en fait. En plus, ça m'a pris du temps, cette saloperie. Résumé 17. Même dans l'au-delà, il est facile de perdre ses clés. Et du coup, le jeu est meilleur que le département ou pas? J'avoue que je connais pas assez le département pour dire. C'est énorme, 50. Et attendez, à la base, je voulais en faire 80. Et après, je me suis dit, non, c'est un peu long à faire, j'ai pas trop le temps. La partie est jolie, ouais. On dirait un Ampiflore. J'avoue qu'on dirait un Ampiflore vu en flou comme ça. Ah, le jeu sur lequel on n'est pas d'accord avec Garvug. Mais c'est parce que t'as pas fait la fin. T'as pas vu la fin, dossier. Fallait en faire 30. Non. Petit indice, il s'agit de mon jeu de l'année 2023. Minute. Et non, ce n'est pas Minute. Oui, pas de souci, je live très longtemps ce soir, normalement, Marc. Donc tu passes quand tu veux, il y a vraiment pas de souci. Et puis sinon, à l'occasion, vous repassez une autre fois, il n'y a pas de problème. Merci déjà d'être passé, merci pour le joyeux anniversaire, c'est très gentil. Des bisous à tous les deux et surtout, bonne balade. Profitez du beau temps si vous en avez. Parfait, je le mets pas comme ça. Putain, le tricheur, quoi. C'est Pokémon 3D. Et non, le jeu, c'est Restless Souls. Qui est un excellent jeu, mais je peux comprendre que certains soient réticents. Parce que c'est un jeu qui est principalement basé sur le dialogue. Et les dialogues sont très très drôles. Mais après, en termes de jeu pur et dur, je peux comprendre que bah, on se fasse un peu chier. Si vous attendez à avoir du gros gameplay, ouais, c'est pas dingue. Ton jeu de l'année et je connais pas. Et ouais. A tout à l'heure. Merci beaucoup. Je suis le seul à avoir trouvé. Eh bien, bien joué. J'étais là, mais je me suis pas intéressé au titre du jeu. Ah oui. Et donc, ce n'était pas Undertale. Ce n'était pas Shady Part of Me. Ce n'était pas Roblox Fit Jojo. Ce n'était pas Obradin. Ce n'était pas Isaac. Et ce n'était pas Clock Tower. Navré. Et on enchaîne tout de suite avec le numéro 18. Kidnapper des gens, forcer-les à s'accoupler, sacrifier et épouser leur nouveau-né. De quel jeu s'agit-il? First! Sur cette victoire solo, je vous laisse. Gros bisous, bonne nuit, dossier, repose-toi bien. Alors non, ça c'était tout à l'heure, Watch Raton. Oh, c'est moi! Ah! Ah, je crois qu'Athéna a trouvé. Mince, j'ai mis ce clic en corrigeant. Ah, je verrai ça. Et merci beaucoup, Lapine d'Huître. Merci beaucoup. Passe une excellente journée aussi. Bon week-end. Merci pour le joyeux anniversaire, c'est très gentil. Indice, j'en ai une peluche. Sérieux, t'as la peluche? Mais je la veux. Le fameux jeu où je suis arrivé et mort en l'espace de 5 minutes. C'est fort probable. Encore, j'ai réussi à speedrun ma mort chez une streameuse il y a quelques jours. Je suis arrivé vieux et je suis mort instant. Grâce à l'intégration Twitch. Oui, mais rappelez-vous que si on arrive à 40, je fais le 100% du jeu. C'est un jeu culte de ta chaîne. Exactement. Joli jeu de mots et en plus, c'est vrai. Mais sachez que le jeu reviendra si nous atteignons le 40. Et c'est effectivement Cult of the Lamb. Bien joué à vous. Nous avions également Palworld. Si,
et chef. Vas-y, Geoffrey, je te l'accorde parce que t'as mis ce clic en corrigeant. Mais est-ce que tu m'assures, Josh, que tu allais écrire Cult of the Lamb? Sans mentir. C'est culte, il faut le dire, effectivement. J'ai voulu aller plus vite, t'inquiète. Ouais, ok. Et du coup, effectivement, c'était Cult of the Lamb, pam pam pam, qui est très très cool. Et si tu ne joues plus, ça devient Cult of the Lamb. Pas mal. Pas mal, pas mal. Attention, nous arrivons sur le 19. Pam, pam, pam. La définition même d'être l'ombre de soi-même. First. Là, l'image est censée vous aider en plus. Si vous connaissez le jeu, easy peasy. Attendez, j'arrive, je vais me chercher de l'eau. Ray Tracing Man. Joli. Ah, tu l'as fait aussi à Mio, ce jeu? Tu l'as fait quand? Mais oui, il est très cool. Ombre chinoise simulator. Ça me dit quelque chose. Mais je trouvais pas le nom. Ah, mais Google peut vous aider. Bon, attendez, je vais passer maintenant dès que je vois qu'il y a au moins 11 réponses. Hop là. Et nous sommes effectivement sur Shady Part of Me. Ce n'est pas Peter Pan Simulator, ce n'est pas Iris, ce n'est pas Shadow. Stoppez, j'ai pas de points. Allez. C'est non. Bonne game et bonne soirée. Et bah écoute, bon Mario Kart. Et merci pour le bon anniversaire. Mais... Désolé. Et Eraser qui remonte de nouveau. Bien tenté. En vrai, c'était bien tenté. Vous avez le droit d'essayer de tenter des choses. Peut-être que quelqu'un arrivera à gagner des points grâce à une connerie. Sait-on jamais. Réponse libre. Résumé numéro 20. On avait la flemme d'écrire un scénario, mais on avait l'idée de base. De quel jeu s'agit-il? Le jeu grâce auquel j'ai plein de jeux gratuits parce que ça a fait beaucoup de vues en short sur YouTube. Rayman, ça colle vraiment. C'est vrai que le scénario de Rayman... J'ai été lent à écrire First. Aïe, aïe, aïe. Un jeu où on vous raconte beaucoup d'histoires. Un jeu Ubisoft. J'ai Athena A. Oh! Premier jeu auquel j'ai joué, merci Netflix. Effectivement, si vous avez Netflix, vous pouvez y jouer gratuitement. Et il est plutôt cool. Il est plutôt cool. Un peu court. Je sais pas si t'es d'accord, Héloïse. Moi, j'ai trouvé un peu court, malheureusement. Mais l'idée est vraiment très très cool. Ça spoil. Il est très sympa. Oui. J'ai pas le nom. Grrr. Eh oui. Eh bien, le nom, c'était... Storyteller. Pam, pam, pam. Voir les réponses, j'accepte Storyteller divisé en deux, 80% des jeux. Non. Le jeu BD Moyen-Âge, alors non plus. Merci Google m'a sauvé.
On peut aussi jouer à Hades gratuitement avec Netflix. Ah, je savais même pas. Merci. Bah, de rien, c'est normal. Je sais pas écrire anglais. J'aurais pu dire Life is Strange. Ah, Life is Strange quand même. Le scénario, il est écrit, mais c'est juste que... Ouais. J'en étais étonné aussi. Bah ouais, franchement, moi, le jeu, j'avais vraiment bien aimé. Et je sais pas pourquoi il cartonne en short ou en TikTok, il marche toujours. Ah oui, Life is Strange 2, ouais. des jeux, c'est cette description. Eh oui. Mais il fallait regarder l'image aussi, pour être sûr. C'est le créateur, il fait son effet. Oui, le fait que tu crées ta propre histoire, ouais, c'est rigolo. Et en pantalon, il fonctionne aussi. Oui. Tout à fait. Attention. Hop. Numéro 21. Un jeu tellement nordiste que la princesse a sauvé et notre sœur. Et nordiste est un vrai indice. Ce n'est pas juste un jeu de mots troll. C'est un vrai indice. Très au nord. Très très au nord. Game of Thrones. Non. First. GG. Donc encore une fois, ne mettez pas forcément tout le nom du jeu. Mettez seulement le premier mot, pour le coup. Ça suffira, parce que sinon ça ne rentrait pas en réponse. Ah bah j'ai tout écrit. Bah on verra alors, mais moi quand j'avais essayé de tout écrire, ça ne marchait pas. Je vous laisse ici, bon jeu, plein de mimi. Et encore bon anniversaire. Mais écoute, merci Laïka, c'est très gentil d'être passé. Merci beaucoup. Des bisous, repose-toi bien. Et bon week-end de 487 heures à toi. Je vous laisse aussi. Eh ben, amusez-vous bien. Merci l'image, je crois. Et nous étions sur Bramble, The Mountain King. Bramble the Mountain, ok, j'accepte. Game of Thrones, non. Zelda, non. La Reine des Neiges, non. Kina the Queen, non. Princesse du Nord, non plus. Et Callisto, toujours pas. Il a pas tout pris, effectivement. Ouais, tu vois, c'est... Je sais pas pourquoi. Merci Wanky, les Google Traductions. Tu sais que si tu passais ici, j'y joue aussi au jeu. Hein. Pas la peine d'aller voir Wanky, là. Pourtant, j'ai vu tout le texte écrit. Ouais, mais je sais pas trop comment ça fonctionne au niveau des réponses. Mais t'as un nombre de caractères limité qui est assez chiant. Garvu better que Wankill. Merci beaucoup. Je sais pas si c'est vrai. Pour beaucoup de gens, non. Mais merci beaucoup. Réponse libre, résumé numéro 22. On part cramer une chouette qui nous empêche de prendre soin de notre arbre préféré. First. Celle-ci est facile. Mais oui, c'est Claire. Non, mais oui, c'est Clem. Un chouette jeu. Non, le premier, ça va. Le premier, ça va. Certains ici n'aiment pas le second. Oui, moi. Ça a dû arriver dans un Warhammer, ça. C'est vrai, je pense. Je valide la blague. La blague est cool. Qui aurait pensé à ça?
Après, faut esquiver. Oui, faut esquiver et accepter les combats qui durent 15 minutes, quoi. J'avoue, 50, c'est long, mais on tient bon. Oui, bah j'avais prévu de faire une grosse soirée, donc... Soit je plante, soit je savais pas qu'il y avait un 2. Si, il y a un 2. Et c'est effectivement Ori and the Blind Forest. Et donc ce n'est pas Tell Me Your Story, ce n'est pas All Boy, ce n'est pas Whole Boy, ce n'est pas Maudite Chouette. Ah donc oui, j'ai confondu. Et oui. Malheureusement. Au pire, tu t'endors devant, Captain. J'avoue, comme ça, tu laisses un lurk. J'ai oublié d'envoyer. Bah bravo, Nunuche. En tout cas, il y a toujours Mikos devant toi, hein, Captain. Je ne sais toujours pas qui c'est, mais... Résumé numéro 23. Ras le cul de sauver la princesse, je préfère me jeter dans le vide. De quel jeu s'agit-il ? L'image est très connue. C'est effectivement Rayman. Bravo ! Mario. Mario et les lapins crétins même. C'est le tout début du trailer, l'image, je crois. Bon, c'est l'une des images les plus connues, ouais. Un nordiste fait un plongeon. Adibou. C'est effectivement Adibou. Je me suis souvent jeté dans le vide dans Rayman. Comme quoi. Merci le best-of répétitif de TikTok. Exactement. Ouais, je laisse encore 6 secondes, mais comme vous êtes très nombreux à avoir répondu, nous allons passer... Et c'est effectivement Zelda Tears of the Kingdom. Zelda TOTK, TOTK et Zelda, félicitations à vous tous. Ce clip pourrait vous spoiler le jeu. Oui, et ben désolé. Désolé que cette phrase soit répétitive, mais au moment où j'ai fait ça, je voulais pas spoiler TOTK et du coup voilà. C'est TOTK l'image ou Breath of the Wild? C'est TOTK. Dans Breath of the Wild, il n'y avait pas le monde en l'air. Zelda le flemmard, Zelda Breath of the Wild. Je vous accepte les Breath of the Wild parce qu'en soi, ça correspond aussi. Un peu. J'en peux plus. Oui, bah, désolé. Non, mais comme je voyais tout le monde se faire insulter parce qu'il spoilait le jeu... Je me suis dit, je vais mettre ça, comme ça, les gens savent. Et beaucoup de gens m'avaient remercié de l'avoir mis, donc voilà. De toute façon, j'ai mis Zelda. C'est Breath of the Wild 2. Vu que c'est un DLC standalone, exactement. En tout cas, félicitations. Non, je vous fais la montée de niveau juste après. Avant, je lance le résumé foireux numéro 24, histoire qu'on avance. Quand des jeux d'enfants deviennent un petit peu trop réalistes, de quel jeu s'agit-il ? En tout cas, félicitations Yamé pour le niveau 84 et le rang de gardien Naraka, gardien de niveau 94, Watchraton villageois de niveau 47, Dynamique Vagabond de niveau 37, Héloïse Pecnode de niveau 16, Josh Pecno Vaillant de niveau 17 et Kesus Vagabond de niveau 35. Félicitations à vous tous. Les jeux vidéo en général, d'après les experts télé. Oui, mais là, ça correspond au scénario du jeu. Je me souviens du best-of, j'ai tenté quelque chose. Alors ce jeu, nous l'avons fait. Comme tous les jeux de ce soir, mais on l'a fait il n'y a pas si longtemps. Et j'avais été un peu déçu parce que trop court. Beaucoup trop court. Et surtout, il s'était vendu sur des images dans la bande-annonce qui ne sont même pas dans le jeu. Enfin, si elles sont dans le jeu, mais en cinématique et on ne les joue pas. Je l'ai pas du tout. Ah! Du coup, tu peux valider ma réponse pour me récompenser de mes blagues. Je verrai. Après, encore une fois, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à mettre des conneries. Et si vraiment c'est drôle, why not? Athéna, non, tu n'étais pas là encore. C'était il y a pas mal de temps.
Et le jeu, c'était Lost in Play. Un jeu qui est super beau visuellement. Et bonsoir ZX. J'ai pas raté ton live anniversaire, mais non, merci à toi d'être là. Des bisous. Et personne ne l'a eu. Aïe aïe aïe. Nous avions South Park, non. Little Miss Fortune, non plus. Des points ou un SRI ou un sourire. Voilà, un sourire pas du tout forcé. Garvug président, je ne suis pas du fromage. Little Miss Fortune, de nouveau, non plus. J'ai 0 points. M'en fous. Et Peppa Pig, non plus. Ah, le que... Et comment tu vas, ZX? Et Captain qui est premier. Attention, réponse libre, résumé numéro 25. Nous en sommes à la moitié. Stargate, mais sans Goa'uld et avec des cutéreux. J'aurais essayé. C'est bien d'essayer, Tatan. C'est beau. C'est bien, je reviens d'une après-midi chez des amis. Oh, et c'était bien. What? Je crois que je l'ai. Stargate, mais sans Goa'uld, mais avec des cutéreux. C'était pour fêter Pâques avec des enfants. Oh! Stargate, la seule histoire où le sol noir est un alien. Eh, au moins c'est pas le premier à mourir, pour une fois. Si on troll exprès, ça passe. Si c'est drôle, ça peut passer. Ça devient dur. Titre, effectivement. Effectivement. Mais content de vous faire cet effet. Et le jeu... Que vous attendiez tous, mais pas vraiment, était un jeu que j'ai fait récemment avec Fretty et Narakia, qui n'est autre que Nightingale, où nous passons à travers des portails tel Stargate. Let's go! Félicitations aux deux personnes qui ont trouvé. Quoi? Ben oui. 253e épisode de Bob l'éponge, non. Farm Simulator, Star Ocean 2, Baldur's Gate, Lord of the Ring, Star Trek, Fable ou Stargate 2.0 non plus. Et j'étais first. C'est beau. Après, tu sais, en général, on se vante pas trop de finir en premier, hein, imagine. Mais bon, après... Chacun son truc. Et bien joué à Mycose aussi, qui a trouvé. Je ne sais pas qui est cette Mycose, mais en tout cas... Résumé numéro 26. Un jeu de braconnage et de raquette pipou où l'on est sacrément fier de montrer notre moto rouge. Faut toujours finir avant l'autre en tout cas. Ah, je sais pas, non, je préfère finir après, mais chacun son truc. Elle est tenace cette Mycose. Bah toujours, hein. Tant que c'est pas traité. Hein. C'est Clem 100%, elle fait genre... Ça aurait été un autre nom que Mycose. Ça aurait pu être Clem. Mais sinon, ça peut pas être Clem. Rayman. Non. Cela dit, normalement, vous devriez pouvoir trouver. Baldur's Gate 3, exactement. Vous êtes 11 à avoir répondu, et la réponse était... Pokémon Scarlet, Pokémon Écarlate. J'acceptais Pokémon, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Ah, Pokémon comme ça, ça marche aussi, carrément. Palworld, Palworld, Pokémon je sais pas lequel, ça marche. Et Pokémon EV, je ne sais pas ce que c'est... Ah, Écarlate et Violet, oui, ça passe aussi. Tout à fait. Quoi?
Mais si ça marche, ne vous inquiétez pas. On a tous eu peur, oui quand même. Non, non, vous n'êtes pas que trois. Ça correspond à Palworld. Non, parce que tu n'as pas de moto rouge dans, dans Palworld. Personne ne met l'accent. Moi, je mets l'accent. Ah, c'est bon. Eh, Pokémon, je sais pas lequel. Là, il y a un accent, ok? Donc, je suis pas seul, ok? Bien joué à vous tous. Vous êtes 3, on est 6. Ouais, mais t'avais pas pensé au fait que... Voilà. C'est moi qui mets l'accent. Bah, merci, Jojo. Résumé numéro 27. Un excellent moyen de se gueuler dessus toute la soirée après avoir attendu 2 heures avant de lancer la première partie. Mais de quel jeu s'agit-il ? On a du mal à mal me comprendre si toi tu vois de quoi je parle. Oh ça va, Jojo ! L'intelligence n'est pas une démocratie. Exactement. Franchement, si tu devais écouter la majorité des gens à chaque fois, on serait mal parti. Hein. Il y en a tellement. Oui, mais là, vous avez l'image. Si vous regardez l'image en vrai, vous pouvez trouver un indice. Un gros indice. Amogus. C'est peut-être Amogus. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je reconnais une carte de Uno. C'est vrai que ça passe, le Uno aussi. Et nous allons passer la question. Et c'est effectivement Among Us. Félicitations. Ne t'inquiète pas, Majin. Hey We were here, it takes two. Streamer ensemble. Arrêtez de gueuler, René et Ori. Streamer ensemble, c'est vrai que c'est pas mal aussi pour passer une mauvaise soirée. Non, en vrai, ça dépend avec qui. En tout cas, nous passons à la question suivante. Et Watch Raton qui monte dans le classement. Easy les points, t'as vu ça? Attention, résumé numéro 28. Même les devs ne savaient plus ce qu'ils avaient dit dans le premier volet, mais cette fois-ci, c'est plus joli, et on est amis avec tout le monde. Alors, le résumé ne vous dit peut-être rien comme ça, mais si vous avez suivi mes critiques, si vous avez suivi tout ce que j'ai pu faire, mes verdicts et tout ça, vous devriez savoir. C'est un jeu français. Alors, un petit indice. C'est vrai que pour We Were Here, il faudrait déjà que le jeu se lance pour qu'on puisse commencer à se gueuler dessus. C'est... Ça complique un peu la chose, autrement. Hein ? Un jeu de frères et sœurs. Dans mon top des meilleurs jeux. Ah ouais? Le 1 en tout cas. Le 1 je peux comprendre. Le 2, le problème, c'est qu'il est complètement incohérent et à chier quoi. J'ai pas. Aïe 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 aïe. Et il s'agissait de... A Plague Tale Requiem. Oh putain, oui! CS2 avec les Russes, Life is Strange 2, Jeux de France, Pain, Kingdom Hearts, The Last of Us, mince! Voilà. Je connaissais le jeu. Ah oui, mais après, tu pouvais... ça reste des résumés foireux, Athéna, donc ne t'en veux pas. Mais il y a un 2, il y a un 2 dans lequel ils ont oublié que le gamin savait contrôler les rats à la fin du premier. Mais il y a un 2.
J'allais le mettre. Oh, je suis désolé, Kaisus. Bah, je laisserai plus de temps la prochaine fois, promis. Merci le PSN, je l'ai platiné récemment. Putain, t'as eu du courage. Et GG Captain. Des fois, même avec le résumé exact, j'ai pas. Oui, bah voilà, c'est ça arrive. En tout cas, nous passons au 29e. Numéro 29. Vous aussi vivez la Yes Life en partant faire du stop pour montrer à tous votre côté rebelle. Un jeu qui a été pas mal streamé, étonnamment. Alors que j'avoue que je l'ai trouvé un peu chiant. J'ai bien aimé, mais j'ai dû oublier le 1 pour le faire sereinement. Mais même en dehors du 1, moi je trouve qu'il y a des trucs dans Implectel Requiem, ça va pas du tout, quoi. Tu te fais quand même pote avec le mec qui tue le premier mec qui vous aide au départ, qui tue un enfant qui vous aidait aussi, ou avec qui vous jouiez au début. Et quand tu le vois, tu fais « Oh, finalement, on va être pote avec, il est trop cool. » Comment ça, étonnamment? Ah oui, tu égares vu les jeux que tu aimes, c'est vrai. Désolé, mais Road... Désolé, mais ce jeu, moi, je l'ai trouvé chiant. C'est censé être un espèce de roguelite, je l'ai trouvé... J'ai trouvé pas très bon. LOL, oh, mais ça va! Mais je sais pas, l'histoire, tout le monde a la même, censé être un roguelite, tout le monde fait la même partie. L'histoire est vraiment pas folle. Il y a des fois, ça marche pas bien entre les trucs que t'avais déjà vu sur la partie d'avant et la partie d'après. Non, je trouve qu'il est... L'idée est très bien. Le jeu est magnifique. Mais c'est pas foufou, quoi. Mais en tout cas, c'était bien Road 96, tout à fait. Je me suis trompé sur le numéro, mais accepte, s'il te plaît. C'est le tout premier que je trouve. Bravo, Tatan. Route 66, je te l'accepte. Life is Strange, non plus. Chant of Sinar, Family Simulator, non. T'as pas rodé le jeu, quoi. Ah si, en plus, je l'avais fait quasiment à 100% à la sortie. Par contre, j'ai pas fait le Mile Zero, parce que j'avais pas aimé 96, donc j'avais pas à refaire. 96, la meilleure année où naître, d'ailleurs, il faut le savoir. Ouais. Ok, boomer. Road 96, pas compris l'engouement des streamers. Merci, Yamé. Merci. Et attention, réponse libre avec ce résumé numéro 30. Une énième preuve que pour être mise en avant, une femme doit cumuler plusieurs tafs. Allez hop! Adibou. Non. The Last of Us. Ça pourrait vite fait, ouais. Trouver... Oh, GG, Tatan. Facile, il n'y a pas 500 jeux aussi sexistes. C'est vrai que celui-ci... Ouais. Bah, je crois que vous avez tous répondu. Et c'était effectivement Princess Peach Showtime. Voir les réponses. Nous avions Princess Peach, ça marche. Je sais même pas pourquoi il vous l'a pas pris. Juste parce qu'il n'y a pas... Sérieux, parce qu'il n'y a pas la majuscule, il vous le prenez pas, quoi. Ah non, c'est parce que t'as écrit Princess Peach en français. Oh là là. Peach, mais pas la brioche. Allez, Princess Peach Showtime, Princess Peach, ça marche. Mario Lapin Crétin, non. Non. Princesse en français, c'est ça. S'il te plaît!
Non. Parce que justement, le but de ce jeu, c'est de montrer que Mario, on s'en bat un peu les couilles maintenant. Et nous passons donc au résumé numéro 31. L'histoire de robots inquiets face à la pollution qui les empêche de vivre à la surface de la Terre, alors que c'est des robots et qu'ils ne respirent pas et qu'on ne sait pas du coup pourquoi c'est l'enjeu du jeu. Oh my god, ce jeu! Surcoté de fou... Surcoté, mais c'est pire que surcoté, c'est de la daube ce jeu. D'ailleurs, c'est un des donation goals de ce soir. Hein. Enfin, un des viewer goals de ce soir. Platiné, mais pourquoi tu l'as platiné? Pourquoi tu t'es fait chier à faire le succès de le faire en 2 heures? C'est Wally. Et coucou Notube. Ah merde, on est d'accord avec Garvuk sur le jeu. Eh oui. Indice miaou. Magic, non, je refuse. Parce que tu l'as aimé, Athéna. Mais, Athéna, ok, vraie question, Athéna. Hormis le fait qu'il y ait un potichat, pourquoi l'as-tu aimé? Et vraiment, hormis le fait qu'il y ait un potichat. Tout est incroyable. Dis-moi, parce que l'histoire, il n'y en a pas. Les graphismes, il y a un décor de tout le jeu qui se répète. Le gameplay... Il n'y en a pas. Le monde, les quêtes. Mais il n'y a pas de quête. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Tu dis les combats, il y a zéro combat. Et il est français. Bah oui, bah il y a plein de jeux qui sont français. Ah, il n'y a pas de combat dans le jeu. Hein. Parce que tu dois fuir les combats. Sachant que ton chat ne s'est pas griffé autre chose que des meubles. Et du coup, c'est effectivement le jeu Stray. Tout à fait. Stray, enfin! Le jeu qui dure 2 heures. Ça, j'accepte. Team Chien. Oui, Watchraton. Moi aussi, je suis français. Et c'est pour ça qu'on t'aime, Yamé. B12 a un truc qui les brûle. Il les brûle sur une scène qui dure 5 minutes. Et encore, je sais pas si on peut appeler ça du combat. B12, il manque de vitamines. Après, Yamé, t'es français, mais t'as fui en Allemagne, quoi. Je veux dire, ça fait saut années 40, ton histoire. Hein. On n'a pas joué au même jeu. Allez hop! Team Gecko Léopard. Ok. Athéna, est-ce que tu aimais le film 4? Elle est belle, celle-ci. Et comment tu vas, nos tubes? Attention, question suivante, résumé numéro 32. La preuve qu'un enfant, c'est bon seulement à pleurer et se chier dessus. Ça va, je chill. Ah, bah c'est beau. Et bah ce jeu était incroyable et tous ceux que je connais, et bah ils disent la même. Et bah non, parce que tu me connais maintenant et moi je dis que c'est du caca boudin. Et ouais. First, déso, pas déso. Aïe. La vraie vie. C'est vrai que la vraie vie, ça marche. Non, mon frère, il joue. Ah, bah t'es obligé d'avoir le jeu. Chaque streamer que j'ai vu le faire, a dit que c'était incroyable. Bah, je l'ai fait 2 fois, et les 2 fois, j'ai dit que c'était nul. Ça marchait aussi pour Princess Peach, ce machin? Non, bah y a pas d'enfant dans Princess Peach. Et je peux en citer beaucoup, croyez-moi. Bah tu peux en citer un de plus qui dit l'inverse. Et je l'ai fait moi-même.
que c'est pas une enfant, et non. Les Toads, c'est des enfants un peu. Un petit peu, c'est vrai. Attention, et la réponse était The Binding of Isaac, bien évidemment. La vraie vie, ça marche. Cult of the Lamb, non. 48€ et j'y joue. Coucou, monsieur Tim Tim. Ah non, c'est toi, Narakia, les 48€. Eh ben, coucou, Narakia. En vrai, t'as moyen de le trouver moins cher. Si tu vas sur Instant Gaming, etc., t'as moyen de le trouver un petit peu moins cher. Oh, GG, wesh, raton. Gok les CD, j'ai vu hier, il y était encore, je crois. Quand j'ai dit que les béliers sont têtus, voilà un exemple. Moi, têtu. Moi. Oui. Ok. En attendant, j'ai first. C'est vrai. C'est vrai, effectivement. Résumé 33. C'est comme Stardew Valley, mais en plus joli. Et puis il y a des fées aussi. Je précise, car bon, Stardew Valley en plus joli, il y en a un petit peu trop. Un jeu qui coûte beaucoup trop cher. Et en tout cas, bien joué Marc pour le Pecnovaillant de niveau 15, Watch Raton, Villageois de niveau 48, Jojo Vagabond de niveau 38, Athéna Gardienne de niveau 99, bientôt la centaine, Tatane Pecnovaillant de niveau 17, ZX Vagabond de niveau 33, Josh Pecnovaillant de niveau 19, Majin Gardien de niveau 86, Keisus Clip Vagabond de niveau 36, Captain Ichiro Chevalier de niveau 63. J'ai all-in sur un seul indice. Le fait que c'était beaucoup trop cher. Je suis en train de le faire, mais j'ai du mal. Il est sympa, mais il est un peu mollasson. Je pense qu'il doit être plus sympa à deux. J'aurais tout entendu, mais là, Stray, un jeu de merde. Mais je rêve de faire l'interview des développeurs de Stray pour leur demander ce qui leur est passé par la tête. Stray est un jeu immonde. Plus les gens disent qu'ils aiment bien le jeu, plus t'as envie de tacler le jeu, c'est fou. Hein. Et c'est effectivement FiFarm. Ma petite sœur, elle kiffe Stray. Bah, change de petite sœur. Hein. Franchement, GOTY 1D, c'était honteux de fou. J'ai pas eu le temps, flûte! Après, elle a 11 ans, ça explique peut-être beaucoup. Tout comme dit Garvug. FiFarm, bien sûr, exactement. FiFarm. Waouh! Quoi? Comment ça, quoi, pour la réponse? Attaque Athéna. Oh, et voilà, ça commence à se taper dessus. Du calme, ne vous battez pas! Alors attention, voir les réponses. Disney Dreamlight Valley. En vrai, ça pourrait. Ouais. J'avoue, ça correspond un peu. Et techniquement, j'y ai joué en plus. Ah, bah non. Harvest Stella, je connais pas du tout. Lui, têtu ? Oui, effectivement. Vas-y, je l'accepte. Et Coral Island, il n'y a pas de fée. Ou alors, je suis pas arrivé à ce moment-là. J'ai jamais eu la clé sur Keymailer. Du coup, j'ai oublié le nom. Et bah, moi, j'ai eu la clé. Et il faudrait que j'y rejoue peut-être un jour. Mais... Elle est toujours en CP à 11 ans. Non. A tout de suite, Athéna. Entre RPG et Stardew Valley avec 4 fées. D'accord, ok. Bah écoute, je te l'accepte. Et on passe donc au jeu suivant. Et Mikos qui remonte.
Résumé 34. L'étranger isolé. Faites avec. Ease. Mais Captain Ichiro, enfin! Aïe, 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 aïe. Comment ça balance pour ses petits camarades? Je suis trop con. Écoute, au moins tu offres des points aux plus désireux. Captain qui dit alors que j'ai tapé le mauvais truc. Et c'était littéralement une traduction du titre, Yamé, voyons. Mauvais chat. Eh oui. Aïe, 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 aïe. Bah du coup, je pense qu'on peut passer, hein. Voilà, vous avez eu le temps d'écrire. C'est effectivement Alien Isolation. Stranger Isolation, bien sûr. Alien veut dire étranger, techniquement. Donne-moi des points, s'il te plaît. Non. Nous avions Isolated, The Lone Stranger, Xenos Asocial, Marine Le Pen. Aïe, 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 aïe. Non, là, pour le coup, j'accepte rien d'autre. Je vous ai donné le titre. Et du coup, l'image, c'était ça. Non. Et la réponse a été donnée. Alien Isolation, très bon jeu. Je vais encore diviser les foules, mais... Non. Et re, Athéna. Un de tes lives les plus skillés. Ah si. Ah si, 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 si. Non. Non. Non, Alien Isolation est chiant comme tout sur la fin. Autant jusqu'au moment où tu vas au cœur du vaisseau. Ok, le jeu est incroyable, l'alien est incroyable et tout. Mais alors tout le passage où il faut remonter, les aliens ils sont 50 et tu te retapes 6 heures de jeu où il se passe rien. Non. Non, c'est insupportable. Et j'ai eu plein de clips cool alors je m'en fous. Alors, hop. Voilà, suivant. Ça se pécho dans le chat, t'as vu ça? C'est beau, hein? Attention, réponse libre, résumé numéro 35. C'est comme American Pie, tout aussi beauf, mais sans rien, visuellement, sans rien de visuellement intéressant. Donc un truc qui puisse vous rappeler American Pie et le côté un petit peu vacances, jeune et cool. Sauf que c'est très beauf, mais visuellement, il ne se passe rien de très intéressant. Un jeu à choix multiples. Les lives de Garvug, exactement. Il se passe rien de visuellement intéressant. Un jeu de cul? Et non, même pas. Ah oui, j'ai oublié le nom. À savoir que c'est le jeu que nous avions fait en tout premier jeu de mon live anniversaire l'année dernière. Mon Marine Le Pen, c'était drôle. Oui, c'était drôle. Mais ça marchait pas. La photo me dit quelque chose. Athéna, en plus, tu l'as dit tout à l'heure. Alors, attendez. Je crois que j'ai plus de musique. Alors, je vais passer ça. On va prendre la musique de Juzent. Parce que celle de Tunic, elle est copyright maintenant. Hashtag chiant. Je dois relancer mon PC. Ah merde! Désolé. Et c'est effectivement du coup The Quarry. Félicitations. Et live combo de Garvug et Narakia. Encore plus beauf. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai installé il y a une heure. Oh. Bah, tu as bien fait de ne pas le payer, en tout cas. Non, j'ai pas mis ça. Aïe.
Et rebonsoir, Choumi, comment vas-tu? Je viens de trouver avec Google, mais trop tard. Désolé. On dirait Détroit, la photo? Ah ouais? Bah, Détroit, c'est pas du tout beau. Et du coup, nous avions Until Dawn, ça aurait pu, vite fait. Je t'aime, Garvug, c'est vrai. Menteur. Pie Simulator, Promenade, Détroit, Become Human. Vous êtes deux à avoir mis Détroit. Mais à quel moment Détroit est beauf? C'est de la beaufrie, mais côté robot. Mais à quel moment il est beauf? Robot. Oh, joli. C'est pas la beaufrie, mais le côté robot. Ah, d'accord, pardon. Ah bah oui, mais après, le résumé est censé être correct aussi, hein, les gens. Et Majin qui dépasse Captain qui est parti redémarrer. Aïe, aïe, aïe. Foireux, mais correct. Tout à fait. Résumé numéro 36. Une enfant chelou parle à sa chaussette et lui dit, qui lui dit de traverser un pays à pied. Oula! Mikos, je viens te chercher. Chacun son truc, Majin. Ah oui, je l'ai oublié encore. Alors celui-ci, quasiment aucun streamer ne l'a fait. Pour le coup. Je reviens et je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Adibou, et c'est effectivement Adibou et Rayman. C'est Adibou X Rayman et les lapins crétins. L'enfance de Narakia. Je veux bien Narakia avec sa chaussette qui fait « Traverse ce pays à pied, Nara. Tu peux le faire. » Et attention, je vais passer. Ta 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 ta. Et le jeu, c'est Thorns Away. Et personne n'avait la bonne réponse. Moi, tous les soirs, chaussette enfant, la folie, carto, Rémi sans famille, Narakia, c'est accepté. Ou c'est quoi? The Furry Dictator. Trop indé pour nous, et oui. J'ai mis le nom d'après Google. Eh ben, c'était pas ça. Eh hey, oh, un hein. Quoi? Non, mais c'est pour qu'il y ait des points, un peu. Yeneko Nepo. Eh ben, ça pourrait te plaire, Athena, peut-être. Le sujet est un peu dur, mais c'est assez cool. Vous êtes une petite fille qui est envoyée dans un camp de concentration et qui arrive à s'échapper et qui doit essayer de retourner en Russie. Indie Game Dictatorship de Russia. Fury Dictator. Eh bien non, ce n'était pas Fury Dictator. J'ai déjà beaucoup de jeux à faire. Ouais, mais est-ce que tu as des bons jeux à faire? Parce que si tous tes jeux, c'est stress. Est-ce que t'es sûr que t'as pas des bons jeux à faire? On a le droit de streamer ça? Bah, tant qu'il n'y a rien de visuel et tout, normalement, il n'y a pas de raison. C'est très allemand. Bah, pour le coup, c'est pas très allemand parce que c'est une jeune fille russe. Qui s'échappe justement du contrôle allemand. Elle me disait pas de traverser la France. Ah, c'était semi-vrai alors. Assassin's Creed Mirage, Prince of Persia. Ouais, mais du coup, les bons jeux dans ta liste, Athena, ils sont où? Non, Prince of Persia, ça va, il est sympa. Putain, vous êtes à ex-aequo parfait! Mais c'est incroyable! Prince of Persia, en fait, il est bien au niveau du gameplay, mais je trouve que, par contre, il est pas... En termes d'histoire, ils sont pas cherchés très très loin. Que veux-tu, c'est la team! Mais je vois, c'est beau! Donc théoriquement, je suis quatrième, effectivement.
fait semblant d'aimer les jeux indés, comme tout le monde. Matt, le film 4, tu devrais aimer. Non, ne fais pas ça, Athéna. Ça va te détruire l'image que tu as des petits chats. Ouais. Tu n'aimeras pas. Et du coup, suivant, numéro 37. Non, ne te tais pas, Athéna. Même dans Harry Potter, les gens étudient plus que dans cette académie bizarre qui ne cesse de nous mettre face à des situations mortelles. Encore une fois, c'est un jeu que j'ai fait lors de mon live anniversaire qui clôturait mon live anniversaire de l'année dernière. Dragon Ball Evolution, oh mon dieu. Après, tout le monde ne sera pas d'accord, mais je trouve que Dragon Ball Evolution reste quand même mieux que l'œuvre de base. Il y a un an, on ne se connaissait pas, Sinaraka. Mais tu ne me connaissais pas, c'est vrai. Finis pas cette phrase. T'en as prévu combien ? Il y en a 50 de questions. D'ailleurs, je suis sur Witcher 3 en ce moment. Apparemment, il est bien. C'est un truc d'énigme, non ? Tout à fait. Ça ne fait que confirmer le problème de tes goûts. Non mais c'est pas vrai. Là c'est vraiment juste pour vous troller. Je crois que j'ai... Oh, ce serait beau. Et le jeu était Escape Academy, qui est pas mal. Si vous aimez les jeux un peu Escape, Enigme et tout, il est pas mal. Academia, non. Harry Potter, Winx Club, Magic Academy, Monty Python, Professeur Layton, Académie américaine, Yandere Simulator. Non. Oui, GG. GG à vous. Attention. Jeu suivant. Résumé numéro 38. Un patron d'entreprise se rappelle enfin qu'il est censé travailler aussi quand il remarque que ses employés font n'importe quoi. Un jeu qui a été extrêmement streamé sur cette chaîne. Et encore un jeu français, donc ça veut dire qu'il est forcément bien. Et l'un des rares jeux où... Vous êtes beaucoup à dire que je suis mauvais au jeu. Je l'ai fini en crise 15. Le niveau de difficulté max. Donc, boubou. Merci, Majin, de l'avoir fait. Ah, tu l'as fait aussi, Majin. Il est trop cool. J'ai oublié le nom. Aïe, aïe, aïe. Le Mister Beast français. Et effectivement, le clip du Mister Beast français est sur ce jeu. Yep, on en avait parlé, c'est vrai, désolé. Très bon gameplay. Ouais, franchement, le gameplay est très très cool. Ah, le clip du MrBeast français, c'est la vidéo, l'une de mes vidéos les plus vues sur TikTok. Alors. Ouais, vite fait. Sur le côté petite mort mignonne, vite fait. Mais sinon... Et du coup, c'était effectivement Have a Nice Death. Le jeu avec la mort, j'accepte. Callisto Protocol, non. La mort qui meurt. A Nice Death, ça marche. Et vas-y, allez, la mort qui meurt, j'accepte. Tu as essayé Tunic, Garvug ? Alors, Tunic, je l'ai fait à sa sortie. Et j'arrête pas de débattre du fait que c'est bien. Je mets toujours la musique de Tunic quand je fais des chaos total. Et aux dernières nouvelles, Tunic, je l'avais recommandé plusieurs fois à Freddy qui m'avait dit que ça ne l'intéressait pas. Mais ensuite, sa chérie l'a fait. Et du coup, si sa chérie le fait en live, là, par contre, il le fait après. Donc oui, j'ai fait Tunic. Tunic quoi ? Tunic ma mère ! Pardon.
Ouais, j'ai vu qu'il jouait hier, j'étais en mode genre... Mais alors ? T'arrêtais pas de me dire que ça t'intéressait pas ? Mais forcément, Bubble Kitty Cat y joue, et là, tout de suite, ça s'intéresse. Tunic Fur, putain. Non ! Mais non, non, elle est très très bien, Tunic. Moi, j'aime beaucoup Tunic. Et je pense que c'est un jeu à faire au moins une fois dans sa vie. Comme toi avec Baldur's Gate 3, il faut que Clem y joue. Je vois tellement Clem jouer à Baldur's Gate 3. Attention, réponse libre. Résumé numéro 39, c'est l'histoire d'un prince qui meurt, mais en fait, non. Mais en fait, c'est pas le prince, mais en fait, si. Tunic, ma mère! Exactement, merci, Marc. Je sais pas si vous avez la référence de la version française de Borat. Mycose va faire pipi! Non, elle est trop forte. Mais j'espère qu'on aura la réponse de qui c'est à la fin. Moi, je veux savoir qui est premier. Borat. Ah, voilà, merci. C'est Yamé. C'est Yamé, Mycose. Ah, ce serait pas impossible. Le meilleur scénario de jeu. Exactement. Avouez que ce résumé est quand même parfait. C'est l'histoire d'un prince qui meurt, mais en fait non. Mais en fait, c'est pas le prince, mais en fait si. Moi, je trouve ça très clair. Et c'est effectivement Prince of Persia, félicitations. Si seulement, mais non. Mémoire des jeux, je suis 9e. Ah. Donc ce n'est pas lui. Jésus. Omno. Non. Prince of Mongolia. Ouais, ça me fait rire. Le fameux prince de la Mongolie. Et coucou Coco Lastico, merci beaucoup pour le bon anniversaire. Désolé, je ne peux pas rester ce soir, mais plein de bonnes choses pour l'avenir. Tu es grand. Merci, merci à toi. Courage pour le projet sur lequel tu t'es engagé. J'espère que ce sera bien. Éclate-toi à fond. Coco Lastico qui travaille notamment dans l'audiovisuel et notamment dans l'image et tout ce qui est lumière. Je ne sais pas trop comment résumer ça autrement. Et voilà, et Coco Lastico qui va bosser notamment sur un gros projet avec plein de streamers et tout. Et du coup, bah éclate-toi bien, j'espère que tu t'amuseras bien. Et au plaisir de se revoir à l'occasion pour parler d'autre chose que d'audiovisuel. Des bisous à toi. Je m'intéresse à l'actu jeu vidéo, donc ça aide, c'est vrai. Je m'efforce de mettre une réponse drôle proche de la vérité à chaque fois. Et tu joues bien. Tu fais bien, tu fais bien. Tu as trouvé un dessinateur pour Gandalf? Alors j'ai trouvé une dessinatrice ukrainienne qui normalement est dispo à partir de la semaine prochaine. J'attends de voir du coup ce qu'il en est. Merci avec grand plaisir, des bisous, bonne soirée à tous. Et bien bonne soirée à toi tout seul de ton côté, merci beaucoup. Ou avec d'autres gens d'ailleurs. Mais oui, normalement, j'ai peut-être trouvé quelqu'un pour les emotes. J'hésitais encore parce qu'il était possible que j'arrête les streams, mais du coup, non. Et du coup, bah, faut que je vois avec elle quand elle est dispo. Résumé numéro 40, et j'avais oublié de vous afficher l'image, voilà, hop. L'histoire d'un étranger qui tente d'apprendre la langue du pays pour être accepté plus facilement et passer les frontières. Voilà. Trop bien les nouvelles emotes de Gandalf. Ouais, ça va être cool. J'espère que ce sera beau. Parce que la dernière fois, je suis passé par quelqu'un et c'était une catastrophe. Qu'est-ce que c'est encore? Eh bien, c'est encore un jeu français. On a dépassé le viewer goal. Du coup, tu continues tout à fait. Et on s'est rapproché très très près du viewer goal pour le 100% de Cult of the Lamb. Donc, je pense que je le ferai quand même. Faut que je le fasse d'ailleurs. Franchement, fais-le.
Franchement, fais-le, il est assez cool. En stream, pas forcément, parce que s'il y a des moments où t'es hésitant, des machins et tout, les gens peuvent se faire chier un peu. Mais franchement, fais-le si t'as l'occasion, ne serait-ce que de ton côté, il est très très bien. Le concept a l'air bien, le concept est très cool. Je l'ai pas non plus. Ah ah. Eh bien le jeu c'était Chant of Sinar, un jeu qui a été acclamé par la critique et qui a reçu pas mal de prix récemment. Voir les réponses, Chant of Sinar, ça marche, Chant of Sinar, ça marche, Chant of Sinar, ça marche. Moi en Italie, hashtag flex, j'accepte, parce que c'est drôle. Not Tonight, Immigrant Simulator, oh, Allemagne 1940, Marine Le Pen, encore. Allez, vas-y, je te l'accepte. Mais je l'ai fait en plus, je crois, aïe aïe aïe. Demain, je te connais depuis un an tout pile, sérieux? Tu m'avais connu après mon anniversaire, du coup, Watch Raton? Je savais pas. Follower depuis le 31-03. No way! Trop drôle! Et du coup, bien joué Yamé pour le niveau 85, Cocolastico pour le niveau 13, Watch Raton pour le niveau 49, Tatane pour le niveau, je vais y arriver, 19, Josh Castle niveau 20, Majin 87, Captain Nishiro 64 et Notube niveau 16. Félicitations! Dernier follow le 23-12-2023. Sérieux, putain, ça date de 2023? Putain. Narakia, dernier follow depuis un an et six jours. Tu vois qu'on se connaissait il y a un an, Narakia. Un an et 10 jours. Putain, vous m'avez quasiment tous connu juste avant mon anniversaire l'année dernière. J'aurais pas dû faire cette commande. Aïe, aïe, aïe. Et coucou, Pierrick. Détour sur ton Twitch, il était temps, des bisous. Et bien, comment tu vas, Pierrick? Comment ça va? J'espère que tu vas bien. En tout cas, des gros bisous à toi. J'espère que tu as un peu de temps devant toi, malgré les études et tout ça. Mais il veut pas, Watch Raton, il y a un an tout pile. Ok. Et ben, bon anniversaire, Raton. J'ai la flemme de compter après Life is Strange. Bah, fais la commande au pire, Josh. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Et coucou, Pocaroline, coucou tout le monde, ça fait super longtemps. Bah oui, mais après, tu viens quand tu veux, slash peu. Comment tu vas de ton côté? Ça fait plaisir de te voir en stream. Bah attends, ça se trouve, je suis à chier en stream, t'en sais rien. Ouais, merci beaucoup. Et Jojo... Premier follow, il y a 264 jours. Ensuite, tu m'as unfollow parce que tu me détestes. Et ensuite, tu es revenu il y a 152 jours. Pourquoi la commande veut pas? Parce qu'il y a 15 secondes d'attente. Ça va, merci. Je suis de garde. Ah, courage à toi. Courage à toi pour la garde. Et merci beaucoup pour le follow, Pierrick. Merci, merci. Alors, normalement, il est censé y avoir une animation. Alors, merci. Mais si je peux te donner un conseil, un seul, c'est fuis. Non, franchement, fuis. Unfollow maintenant parce que l'autre là, ah, c'est un gros con. Franchement, je serais toi, je suivrai le conseil. Mais merci à toi. Après, je pense que tu me connais assez depuis le temps pour savoir que je suis un gros con, effectivement. Et ZX, du coup, ça fait 173 jours. Les annonces sont légèrement pas assez fortes. Ouais, je sais pas pourquoi. Faut que je monte le son du PC. C'est pour ça qu'on t'aime. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être le petit côté sadique. Il a juste suivi tes conseils dynamiques du coup. Exactement. Résumé numéro 41. C'est l'histoire d'un boomer obligé de prendre en considération l'opinion de son fils pour gagner en maturité et ne pas perdre le peu de notoriété qu'il lui reste. Et c'est effectivement le jeu Bien joué, Athéna. Oui ou non? Oui. Easy. Il a même pas mentionné que j'étais passé top 4. Ah mais ça c'est juste parce que j'en avais rien.
Parce que j'avais pas remarqué. Un truc comme ça. Ce serait honteux si j'ai pas. Ce serait honteux. Tout à fait. Attention, il ne vous reste que 30 secondes pour trouver de quel jeu il s'agit. Le GOTY raté. Bah, techniquement, le premier était GOTY et le deuxième s'était fait dépasser par Elden Ring à l'époque. J'ai failli mettre l'abréviation. L'abréviation aurait marché. J'ai fait attention, parce que je sais que beaucoup de gens l'utilisent. Oui, je suis d'accord que le deuxième méritait pas le GOTY. Je suis assez d'accord. Et c'est effectivement God of War. Pour le coup, God of War Ragnarok, vu le résumé. Mais c'est effectivement God of War. Bah, en fait, le second est bien jusqu'à la toute fin. Je trouve que la toute fin... T'es là, tu dis, mais pourquoi? Alors, attention, avis controversé. Pour moi... Il aurait dû se passer ce qu'il aurait dû se passer à la fin de God of War Ragnarok, et on aurait dû avoir des suites sur son fils. Le reste bat les couilles. Voilà. Et coucou, Watch Raton. Merci pour la violence, quoi. Papy Notube va dormir. Eh bien, bonne nuit, Notube. Merci d'être passé, merci d'être resté un petit peu. Des gros bisous à toi, et à fort bientôt, j'espère. Ah ouais, non, mais le scénario du second est nul à chier à la fin. C'est n'importe quoi. Bah, en fait, ce qui est chiant, c'est que la fin détruit tout le jeu. Tout le jeu amène à une fin qui est prédéfinie. Et tu te dis, ok, c'est super intéressant comment c'est abordé. Et à force, ouais, mais en fait, non. Bah, si, sinon, en fait, tout ton jeu, il a aucun intérêt, quoi. Ah bah, tu rates pas grand-chose, Athéna. Tu rates pas grand-chose. Oui, après, en termes de gameplay, il est pas incroyable non plus, le 2. Mais je trouvais que l'histoire était vraiment cool. Et la façon dont Kratos mène le truc, et tu vois que son fils prend de l'importance, et que finalement, là où le fils était un peu moqué dans le premier, on le met vachement plus en avant, genre, bah en fait, ce qu'il apporte, c'est intéressant. Tu disais, ok, cool. Et à la fin, c'est genre, ouais, mais en fait, non. D'accord. Ok. Et du coup, nous avions Ark. Dieu de la paix. J'accepte. J'ai pas compris. Backseat in game. Ok. Alors, attention. Résumé 42. Finalement, demander aux enfants d'aller jouer dans le jardin n'était pas une si bonne idée. Et le gosse qui spoil le tout direct. J'avoue que le gosse qui est là en mode, mais tu veux pas plutôt faire ça? Mais je suis en train de fouiller. Fous-moi la paix. Laisse-moi jouer, gamin. Putain, sur le stream, j'ai du délai qui s'est rajouté. Eh ben, chais. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Exactement. Il reste trop peu de questions. Je suis obligé de jouer sur la vitesse. On aurait dû en faire 70. À la base, je voulais en faire 80, mais j'avoue que ça m'a pris trop de temps, déjà. J'ai, mais j'ai pas. Ah. Donc, vous inquiétez pas, même si vous le trouvez pas, vous serez pas puni. Hein. Et le jeu, c'était Grounded. Tadam ! Et ce n'est pas It Takes Two, ce n'est pas Small Land qui est un jeu bien nul, et ce n'est pas Jeu Jardin Immense. Bon, les jeux Jardin Immense, ça marche.
Merci Wankil, encore. On voit les préférences du monsieur. Mon rêve en jeu. En vrai, ce serait trop cool. Small Land, j'ai été très déçu hein, du gameplay. J'ai trouvé ça assez décevant. Je m'étais même fait rembourser, je crois. Mais avec plaisir, Tatane. J'ai dit, hein, si je trouve ça drôle, des fois, je valide. Hein, moi, on s'en fout. Attention, 43 sur 50. La preuve que vivre dans le passé en regardant de vieilles photos déforme nos souvenirs. Tes lives sont mieux. Rembourser, rembourser, rembourser. Exactement. Oh, mais arrête, un Gandalf géant, ce serait trop cool. Tu peux monter sur Gandalf et tu fais genre... Si quelqu'un est plus rapide, je me sabre une couille. Eh bien, sache que quelqu'un a été plus rapide. Désolé. Et re, Eraser, comment vas-tu? L'un des rares jeux que j'ai 100% d'ailleurs, et que j'ai 100% en live. Il existe même une vidéo sur mon compte où je vous montre comment faire le dernier niveau avec le pire filtre du jeu. Preuve ou fake? Horrible. Il va t'envoyer une vieille vidéo du Darknet. Attention, plus que 10 secondes pour marquer Viewfinder. Plus que 10 secondes. Et c'est effectivement Viewfinder! Félicitations! Le jeu où tu photographies ta mère par terre, non, c'est un autre jeu. Paye le temps. Aïe. Le correcteur de ses grands morts! Ce n'est pas Madison, ce n'est pas Troll sur TikTok. Ce n'est pas Life is Strange, ce n'est pas Breath of the Wild, ce n'est pas Polaroid Simulator. Ce n'est pas J'ai mal à la tête, ce n'est pas Minecraft. Polaroid Simulator, ça marche. Mais si le troll... Ouais, mais y avait pire que sur ce jeu. Oui, c'est un jeu que j'ai fait en live. Un jeu où tu photographies ta mère par terre. Qui prend des poses un peu bizarres. Cherchez pas. Il existe de tout en jeu. Réponse libre, résumé numéro 44. Je crois qu'il y a une histoire d'esprit, mais Balek, je veux juste tous les chapeaux pour mes petits potes. Easy. Excellent jeu celui-là aussi. Le tout premier jeu que j'ai fait sur mon nouvel ordi. En décembre 2022, me semble-t-il. Les petits potes, trop mimi. Tellement, tellement cool les petits potes. Et les combats de boss sont sacrément cool dans ce jeu, je trouve. C'est pas avec des jeux aussi connus qu'on aura mis comme ça. Mais moi, je veux savoir qui c'est. Pour un premier jeu d'un studio d'animation à la base. Tout à fait. Merci ma liste de souhaits. Ce jeu est trop beau. Ce jeu est trop trop beau. Oui, il y a des boss. Il y a des boss qui sont sacrément cool. Notamment une boss forgeron qui est trop trop cool. Leur court-métrage sur Majora's Mask, il est trop beau. T'as tellement envie qu'ils en fassent un film. Si c'est bon, désolé, mais merci Wankil. Aïe 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 aïe. Et c'est effectivement Kina Bridge of Spirits. J'ai mal écrit, t'inquiète pas. Le, Blanche Fesse, non. Chapeau taille enfant ou Pikmin.
C'est le que tu as mal écrit, Athéna ? Tu voulais corriger et tu as envoyé, c'est ça ? Allez. Kinarives. Joli. Ah bah t'inquiète pas, je te crois. C'est pour ça que c'est validé. Numéro 45. La magie du mal, c'est mal, sauf si tu le fais bien. La magie du mal, c'est mal, sauf si tu le fais bien. De quel jeu s'agit-il ? Bah, c'est aussi proche que gros et beau, par exemple, Narakia. Non, mais en vrai, je comprends. Elle a écrit le à la place de que, et en voulant faire le retour, elle a envoyé, quoi. Ah, tu dois la voir, Josh, quand même. Et bon anniversaire! Merci beaucoup, Pocaroline, c'est très gentil. Et t'inquiète pas, t'as d'autres choses à penser, tu restes en garde. Josh Castle, pas toi! Pas toi qui suis l'actu! Team 30 ans, toi aussi t'es une 94 ou t'es 30 ans plus? Oh les boomers! Ouais, 94! Et c'était quand toi ton anniversaire? Et du coup, c'était... Hogwarts Legacy, bien évidemment. C'est comme tout à l'heure, j'ai voulu écrire un autre streamer et j'ai écrit Garvug sans faire exprès. Je comprends. Puis après, t'es arrivé sur mon live et t'as dit « Ah merde, bon bah vas-y, je reste. Hein. » Dans 3 ans pour ma part. Oh, ça va, t'as un peu le temps. Là, t'es team 27, c'est pas mal aussi. Je vais certainement avoir une révélation au moment du reveal. Ah ben oui, je suis con. Et oui. C'était il y a 2 mois, et ben bon anniversaire en retard. Ah ouais, bah... Film Zelda, j'ai un peu peur quand même. Film Zelda, j'ai un peu peur. Parce que comme Link qui parle pas, comment tu veux faire un film avec un personnage qui parle pas? Ils vont forcément le faire parler et j'ai peur que ça devienne cringe, tu vois. Ah merde, j'ai mal écrit. Bah attendez, on va aller voir ça. Hogwarts Legacy, ça marche. Forspoken, non. Dark Souls Beast. Hogwarts Legacy, ça marche. Hogwarts Legacy, Ava. L'important, c'est d'être né au 20e siècle et pas au 21e. Bah, il y a des gens extrêmement bien qui sont nés au 21e. Je suis désolé, mais la meilleure modératrice au monde est née au 21e siècle et ça reste une personne formidable. Donc ça... Avada! Excuse me, princess! Exactement. Un film où Link répond toujours par des onomatopées. Il fait... Gandalf et Sinai. C'est vrai que Gandalf et Sinai sont nés au 21e siècle? Et c'est des petits chiens adorables? Sa sœur est pas mal non plus. J'ai ouï dire que sa sœur était pas mal non plus. Mais bon. La sœur principale, désolé, dans mon cœur, il y en a qu'une, quoi. Mais... J'ai ouï dire que sa sœur était sympa. Du coup... C'est pas plus cringe que ces onomatopées. Non mais franchement, je sens que ouais. En plus, il y en a un en préparation hein, de film Zelda. Ça va arriver, hein, mais je le sens pas trop. Par contre, s'ils nous foutent encore Jack Black dans ce film, ça va me saouler, quoi. J'en peux plus de Jack Black. J'en ai ras le cul. Et merci pour la dick-dick, Katana. Résumé numéro 46. À force de fouiller sous la terre d'autres pays, des Américains font face à autre chose que du pétrole. Mais de quel film s'agit-il ? Athéna, tu dois la voir parce que Fretty l'a fait.
Qui d'autre peut jouer Ganondorf? N'importe qui. Franchement, n'importe qui. On me fout Ganondorf joué par Jack Black. Je vais personnellement cramer tous les disques sur lesquels se trouve le film. Un petit indice, il y a des vampires. Et bienvenue Maya la Gameuse, bienvenue à toi, comment vas-tu? Comment s'est passée ta soirée sur Phasmophobia? Le type de Saruman est mort, c'est vrai que il aurait été très bon pourtant. Alors attendez, il faut que je vous retrouve l'image. Non c'est bon, j'ai l'image. Et j'arrive tout de suite Maya, merci beaucoup pour le joyeux anniversaire. Zut, on te l'a pas dit que tu avais d'autres sœurs. Et si. Bonsoir et bienvenue sur le raid, j'arrive tout de suite pour vous accueillir comme il se doit. Encore 13 secondes pour écrire House of Ashes. Et coucou petite Maya, comment vas-tu? Merci beaucoup pour l'immense raid, bienvenue à toi. Et attention, c'était effectivement House of Ashes. Et bienvenue Azeroth Studio, bienvenue à tous les deux. Je sais pas si tu vas l'accepter, j'ai mis Dark Picture. Ah, pas l'opus. Mais j'arrive tout de suite. Je vais vous accepter ça. J'accepte. Enfin, je dis bienvenue au raid juste avant. Je savais même pas que Frey l'avait fait. Et si, il avait fait une grosse soirée. Où ça m'avait fait rire. Il m'avait dit, tu crois qu'il me reste longtemps? Je t'avais dit facilement 2 heures. Et il m'avait dit, mais non. Et finalement, il a passé 2 heures de plus dessus. J'ai bien fait d'attendre que tu spoiles le nom du jeu. Merci beaucoup pour le bon anniversaire Azeroth et bienvenue à tous les deux. Donc Maya, voici ton petit coffre de raid dans 3, dans 2, dans 1. Merci énormément pour ce raid, bienvenue à toi et tes raideurs. Et pour te remercier, ça vaut bien un très long bienvenue. Donc, bienvenue. Ok, donc désolé pour les bugs, je sais pas pourquoi ça bug. Tout à fait. Et Azeroth, voici ton coffre de raid, merci à toi. Bienvenidos a todos los raiders. Yo soy Garvug y aquí estamos jugando a un juego que nadie conoce. Et surtout, on parle en français. Et bienvenue. J'avoue, j'ai quelques raiders. Ah, forcément, fallait la blague. Et après, c'est Link écrit cringe. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas cringe. Hola, que tal? Muy bien, Imos. Ah, un petit coffre pour tenir la note. Eh bien, écoute, voici ton coffre, Marc, dans 3, 2, 1, et c'est parti. Félicitations, tu as trouvé une opportunité. Pose n'importe quelle question, le streamer se devra d'y répondre. Et petite Maya qui enchaîne avec un autre coffre, voici pour toi. Et bravo! Attendez, je vais remettre pour la fin. Hop. Le son ici. Mais bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup pour les raids, c'est très gentil. Je me suis fail sur ma blague. Attends. Pour tenir la note aussi longtemps. Ah! Pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. Le coffre de voix. Ah! Oh, bien joué! Ok, non, soit. J'accepte. Et Tatan qui ouvre également un coffre, voici pour toi. Bravo, tu as trouvé un arc. Il semblerait que le stream ait enfin trouvé son cupidon. Oh, c'est mignon. Et du coup, House of Ashes, vous aviez répondu. Moria, non. Avatar, non. Dark Picture, j'accepte. Dark Picture, j'accepte. Tintin au Tibet, non. Lord of the USA, non. Et Evil West, non plus. Et Yamé qui nous dit un coffre et Jojo qui nous dit nia. Eh bien voici pour toi Yamé. Bon, ça va, tranquille. Vous pensez pas que j'ai autre chose à foutre? Ah. Désolé. Ça n'a plus de manière. Bah oui, je sais. Et voici pour toi, Jojo. Bravo, tu as trouvé un bâton de magicien. Dommage, tu n'es pas magicien. Ça m'étonne que petite Maya ait loupé ton caout. Alors c'est un caout un peu spécial ce soir. C'est un caout résumé foireux. J'ai fait des résumés foireux de jeux que j'ai fait et vous devez trouver duquel il s'agit. Et du coup, bienvenue Chaton Céleste, comment vas-tu?
super comment il nous remercie, mais toujours. Toujours. Toi en peignoir, eh, en vrai, il est pas mal le peignoir. Et oh, mon bâton. Et oui, félicitations. En tout cas, bravo Marc Ondu pour le niveau 16, Maya la gameuse pour le niveau 11, Narakia pour le niveau 95, Watchraton pour le niveau 50, Dynamique pour le niveau 39, Athéna qui passe sage de niveau 100, félicitations. Pokaroline, Pecno de boiteuse de niveau 9, Tatane Pecno héroïque de niveau 20, Josh Castle Pecno héroïque de niveau 21, et Azeroth Studio qui est un gueux de niveau 4, félicitations à vous tous pour ces montées de niveau. La dernière fois que j'ai tiré sur les gens avec mon arc, c'était pas Os et Cupidon, mais ah, mon épaule, putain! Bravo. Tu as rajouté des coffres, tout à fait des coffres, maintenant il y en a plus de 700. Il est magicien du coup, exactement. Je suis sorti du taf tard. Ah bah oui. Mais du coup, tu as repris le taf, c'est cool. Et ça va, ça se passe bien? Chaton Céleste, bon anniversaire, merci beaucoup. Merci à toi d'être là, c'est très gentil. Des bisous. Je suis une sage, et oui. On croirait pas comme ça, et pourtant. Oh my god, je prends zéro niveau. Mais si, ça va venir. Tu vois, tu es 20e en plus, niveau 43. Et, ok, c'est parti. Donc, question suivante. Attendez, je vais remettre la musique. Attends. C'est quoi? C'est... Oui, c'est ça. Attendez, je mange! Dépose sa bouffe. Allez. On y est presque. C'est bientôt fini. Mais oui, mais on fera d'autres choses après, ne vous inquiétez pas. Alors, on joue à quoi? Eh bien, on est sur des résumés foireux. Le but, c'est de trouver de quel jeu il s'agit. Avec, comme exemple, résumé numéro 47. L'histoire d'un mineur lambda devenu célèbre pour avoir trouvé un morceau de métal. Mais de quel jeu s'agit-il? Le GOTY de l'année dernière. J'ai... Ah ah! Et c'est bien de la merde! Arrête, arrête, on va encore te dire que c'est le meilleur jeu. Et pour le coup, j'ai mis l'une des images les plus connues du jeu, en fond. Mais il a pas été GOTY. Bah, encore heureux qu'il ait pas été GOTY, cette merde. Ah oui, non, non, c'était de l'humour, hein. Ah, ça m'arrive sur cette chaîne de faire de l'humour, des fois. J'aurais pété mon crâne, sinon. Mais de ouf. Les mots sont durs. Mais les mots sont justes. C'est Promenade? Non, parce que Promenade est un excellent jeu. Et il est sorti en 2024, pour le coup. Je connais le jeu, mais j'ai mis un troll. Eh ben, bravo! Dans 30 minutes, c'est mon anniv. Oh! J'espère que c'est pas ce que j'ai écrit, sincèrement. Parce que sinon, c'est la guerre. Si tu as aimé ce jeu, Athéna, je ne peux plus rien pour toi. Plus rien. Je ne peux plus rien. Et c'était effectivement le jeu Starfield, ce bon gros jeu tout pourri. Starfield qui aurait pu s'appeler Starfool. Connais pas. En flûte, je valide. Merci. Et il est fier. Bah oui, oh, franchement, ça va. Donc ce n'est pas Minecraft, ce n'est pas Jedi Fallen Order, ce n'est pas le meilleur jeu, ce n'est pas Promenade quand même, et ce n'est pas Death Stranding. Death Stranding qui est un bon jeu tout pourri aussi. Et nous passons... Ah, Mikos qui reste en tête. Attention, 48. Résumé 48. Pas la peine de voir un psy, ce jeu vous apprendra à être de bons parents. Un très bon jeu. Ouais, franchement, celui-ci, j'ai bien aimé.
Tu l'avais fait avec madame aussi, toi, Watchraton, d'ailleurs. Oui, oui, de bons parents. Bah, arrête. D'excellents parents, voyons. Non, mais... La morale du jeu est catastrophique. C'est justement pour ça que j'ai mis ça. Je crois que je l'ai. Je connais, mais j'ai pas le nom. Aïe, aïe, aïe. Au pif. Alors non, ce n'est pas le jeu au pif. Au pif gadget. J'ai bien fait de ne pas avoir joué, je suis nul en jeu. Ah ! Bah oui, bah après c'est ça qui est rigolo. Vous avez raté quelques résumés, pas mal. Et c'est bien le jeu It Takes Two. Donc pas celui-là, hop. Pouf ! Tadam ! Et on va aller voir vos réponses. It Takes Two, je valide. Taki, Pano, Orplan, je ne connais pas. Mortal Kombat, non. Bioshock, non, il est déjà passé. Anakin Skywalker, non plus. It Takes Two, ça marche. Doom, Future Parent Simulator, ça marche. Et Leonardo et Raphaël, non. Je pensais à Baby in Yellow. Ah, ça me dit rien du tout. Dans ce jeu, la morale est pas bonne. Bah, la morale est pas folle. C'est genre, non, il faut pas se séparer, même quand ça va mal. Puis t'as le côté de « il faut faire pleurer ta fille ». Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas, qui sont un peu cringe dans le jeu, mais... C'est bien de pouvoir valider les réponses. Oui, c'est cool, quoi. Ça me fait marrer. Après, ça reste pas pire que de faire travailler ses enfants les mois d'été pour 400 euros par mois et de dire que c'est de la bonne éducation, imagine. Mais ça... Baby in Yellow est creepy et en même temps sympa. Ok. Bah je connaissais pas du tout. Who's your daddy, je pensais. Ah, je connais pas non plus. Je trouvais ça drôle. Doom comme exemple parental. C'est vrai que ça peut être pas mal. Alors attention. Réponse libre. Résumé numéro 49. Grimpe. Ça m'énerve les 5 secondes de délai que j'ai. Ça m'énerve les excuses que tu trouves, quoi. Mais bon. Je peux écrire, mais j'ai pas encore le résumé qui apparaît. J'ai compris, Miko, c'est Garvug. Et oui, en fait, je joue en même temps. Tu joues à deux, il y en a un qui fait le bébé. Et tu dois tout faire... Ah oui ! Oui, j'avais vu. J'avais vu ce truc où tu fais tout pour essayer de te tuer, les autres doivent t'en empêcher. Ok, dans ce cas, je vois, effectivement. Tout ça pour qu'on gagne pas, exactement. Mais non, c'est pas moi. Et le jeu, c'est Juzent. On en a parlé. On en a parlé, je vous ai... En plus, c'est la musique qui passe. Je vous ai dit, je mets la musique de Juzent. Et Clem, elle est où ce soir? Elle a pas de connexion, parce que sa connexion, c'est de la merde. Mais du coup, elle est là, dans l'ombre. Only Up, ouais, en vrai, ça marche. Mais... Céleste, ça marche aussi. Allez, je vous l'accepte. Félicitations. Mais, qu'est-ce qu'il y a, Naraka? Qu'est-ce qui t'arrive? A game about climbing. Allez, d'accord. Bon, juste... Oh, ah, putain. Juste... Oh, j'accepte. Comme c'est étrange, elle n'a pas de connexion ce soir. Mais non, mais en vrai, c'est chiant, sa connexion, elle bug tous les deux jours, c'est casse-couille de ouf. Et en plus, je sais que ça l'emmerdait... Enfin, elle voulait surtout pas que ça bug ce soir. Et forcément, voilà. Elle est pas avec toi, là? Non, pas encore. Peut-être prochainement. On l'a entendu, je crois, dans la cave. On n'entend pas la cave d'ici. Mais du coup, on capte pas Internet non plus. Et attention. Le dernier jeu. Ok, là, il y a clairement, apparemment, la connexion est meilleure. Tout à fait.
La dernière de ce soir, résumé numéro 50. Même mort, un enfant, c'est super casse-couille. Alors ça pourrait être pas mal de jeux, mais pour le coup, c'en est un qu'on a fait en live et on avait beaucoup parlé de cet aspect. Un jeu avec un ascenseur de mort, un jeu beaucoup trop long pour ce qu'il raconte, un jeu qui a oublié d'écrire sa fin. Je pense pas que ce soit ce que j'ai mis, mais bon. Après, des enfants chiants, il y en a plein, hein. Attention, plus que 30 secondes. Je me sens visé. Eh bien, tu as bien raison. Attention, plus que 15 secondes pour marquer le nom du jeu qui commence par un U. Plus que 5 secondes pour marquer Unholy. Et c'est effectivement Unholy. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé, c'est-à-dire personne. Little Nightmare, non. Résumé dégueu, horrible, non. On finit pas bien, ça marche. The Last of Us, non. Infanticide Sim, non. Ouais, un enfant, quoi, ça marche. Merci pour le quiz, ça marche parce que c'est gentil. Death of a Child, la mort, c'est cool. Le jeu trop long, l'ascenseur de Sam et Madison. Mais oui, Unholy, évidemment. Et oui. Eh ben, y a pas ta réponse. Désolé, Madjin, même si je voulais la valider, elle n'y est pas. Et du coup, voici le classement final. Capitaine en troisième. Madjin en second. Et Mikoz qui finit premier. Première, qui es-tu, Mikoz? Dévoile-toi. En tout cas, pour ce qui est de la VOD, vous n'aurez pas la réponse. Mais Watch Raton et Josh, félicitations pour la quatrième et cinquième place. Des bisous et à la prochaine.